Ce ne sont que des amateurs et pourtant, ils ont tous fait un jour le rêve de changer de vie pour devenir de véritables professionnels de la cuisine. Pour certains, la passion, la détermination et un travail acharné leur ont permis de réaliser ce rêve. En 2011, Elisabeth remporte Masterchef, le plus grand concours de cuisine amateur de France. Cette année, ils étaient près de 24 000 à vouloir suivre la même destinée. Pour les évaluer et les guider dans cette compétition hors du commun, un jury d'exception. Frédéric Anton, chef 3 étoiles et meilleur ouvrier de France. Sa technique et son expérience des concours vont permettre aux cuisiniers amateurs de bénéficier de conseils d'une référence de la gastronomie française. Yves Candebord, chef de génie, il a donné ses lettres de noblesse à la cuisine de bistrot. Son savoir et son audace culinaire vont être un véritable atout pour les candidats. Et enfin, Sébastien Demorand, journaliste et critique gastronomique. Ses connaissances et son exigence font de lui un conseiller indispensable pour réussir dans cette compétition. Pendant des semaines, ils ont goûté les recettes de candidats venus de toute la France pour déterminer ceux qui pourront accéder à la grande cuisine Masterchef. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis graphiste. Je suis détective privé. Conseiller dans une banque. Motard dans la police nationale. J'en ai rêvé quand j'étais gamin. Et moi, je rêvais d'être chef. Quand j'étais petit, mon premier déguisement, c'était un déguisement de cuisinier avec la toque. Ça vient de loin, quoi. Ça va ? Ça dépend de vous. Eh ben, on va goûter. Il me faut le top de qualité. C'est énorme. Il y a des tas de choses qui servent vraiment à rien dans votre assiette. Rien que pour ça, moi je vous sanctionne, je vous dis non. Oh, ça c'est complètement dingue. C'est tellement bon. Alors c'est oui. C'est génial. Tu m'en fais la voilà. Mais t'as vu ce niveau-là ? C'est impressionnant cette année. Après plusieurs semaines de compétition, il n'en restera qu'un. Un seul aura la chance de remporter 100 000 euros, 6 mois de formation dans une des plus prestigieuses écoles de cuisine et l'édition de son premier livre de recettes. Pour les départager, le jury a imaginé des épreuves dignes de professionnels dans des lieux hors du commun. Ce concours, c'est incroyable. Ça prend vraiment aux tripes, quoi. J'espère que vous ne vous êtes pas laissé disperser par le cadre magnifique et que vos efforts vont payer. Ça va me rester gravé pendant un moment. C'est quelque chose d'hallucinant, de fou, de dingue. Avec Masterchef, rien ne s'arrête. Ce soir, la grande cuisine Masterchef ouvre ses portes aux 100 meilleurs cuisiniers amateurs de France. À l'issue de cette soirée, 19 seulement auront le privilège d'accéder à l'atelier Masterchef. Mais pour y parvenir, les candidats vont devoir faire preuve de technique, de créativité, d'esprit d'équipe. Un pour tous, tous pour un. Et ne jamais perdre leur sang-froid. La sauce, vite, vite la sauce, non. Masterchef 2012, c'est maintenant. Bonsoir, bonsoir à tous. Masterchef recommence ce soir. Bienvenue pour cette 3e édition du plus grand concours de cuisine amateur jamais organisé en France. Ils sont banquiers, ferronniers, fleuristes, gendarmes, agents immobiliers ou même détectives privés. Et parmi eux figure le ou la Masterchef 2012. Alors, sans plus attendre, découvrons tout de suite les 100 meilleurs cuisiniers amateurs de France. Quand on rentre dans la grande cuisine, on se dit « Waouh, quel spectacle !» C'est le moment qu'il ne faut pas louper, que je ne vais pas louper et qui va, j'espère, me faire amener très loin. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans la grande cuisine. Bonsoir. Première étape de Masterchef, une première étape méritée puisque vous êtes les 100 meilleurs parmi toutes les personnes qui se sont présentées aux sélections dans toute la France. Elles étaient plus de 20 000. Mais vous connaissez le niveau de notre concours et ses règles. Et vous savez que dès ce soir, vous ne serez plus que 19 à intégrer l'atelier Masterchef tant convoité. Alors, d'ores et déjà, profitez au maximum de ce que vous allez vivre. Alors, pour vous juger et vous accompagner, ils sont ravis de le faire. Je vais vous demander d'accueillir notre jury. Sébastien Demorand, grand critique gastronomique. Frédéric Anton, chef 3 étoiles. Et Yves Candebord, chef de génie. Ils arrivent. Bon, ça fait cette année. Moi, quand je vois arriver le jury, j'ai une bouffée qui me monte de là jusque là. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour.
impressionnant de les voir arriver tous les trois. Ça aurait dit un peu des guerriers. Bonsoir messieurs, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, bonsoir, tout comme Carole. Nos candidats, bonsoir, visiblement. Et on est tous les trois à bloc, Carole, je crois. Et on a tous les trois surtout l'appétit en bandoulière, les amis. N'en doutez pas une seule seconde. Vous allez voir, ils ont plutôt bon appétit. Qu'est-ce que vous attendez de nos apprentis cuisiniers? Ce que j'attends de vous, c'est de l'évolution et de l'émotion. L'émotion, il faut qu'on le ressente, nous, les jurys. Il faut qu'on le ressente à travers vos assiettes. L'évolution, c'est que chacun, vous avez votre style. Eh bien, il faut aller un peu plus loin, vers d'autres phases, sans bien sûr oublier votre philosophie. Je peux vous garantir que cette année, le niveau est très élevé. Certes, vous n'avez pas tous le même. Donc, ceux qui sont très forts, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Ceux qui sont un peu plus faibles, bossez, 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 bossez. Car pour moi, la progression est la plus belle des réussites. Vous savez, dans mon métier, il y a une chose très importante. C'est quand on sort d'un restaurant et qu'on se souvient avec précision et avec émotion de ce qu'on a mangé. Et moi, c'est ça ce que je voudrais retrouver chez vous cette année, dans vos assiettes, le souvenir. Il n'y a rien de pire, croyez-moi, que de sortir d'un restaurant en se disant « Tiens, qu'est-ce que j'ai mangé au fait ?» Du fond du cœur, bienvenue et bon courage parce qu'il va vous en falloir. Vous l'avez compris, le plus dur reste à faire. Notre jury vous a concocté une série d'épreuves plus incroyables les unes que les autres. Et ça commence maintenant. Un grand choc de voir ce camion qui arrive. Waouh ! J'ai des frissons qui me parcourent tout le corps, c'est terrible. C'est quand même hallucinant, quand même, dans l'atelier, un gros camion qui arrive, qui nous klaxonne. C'est époustouflant. Si toute l'aventure allait comme ça, je pense que on va en prendre plein les yeux. Bon, vous êtes prêts à découvrir ce que notre jury a imaginé pour vous? Oui. Ouvrez bien les yeux, parce que ça démarre très fort. Est-ce qu'on peut ouvrir les containers, s'il vous plaît? J'attends avec impatience que les deux portes s'abaissent. C'est du bon? À quel plan on va être mangé? Ah, zut, c'est du poisson. Je suis content, du poisson, donc bon, c'est un peu mon domaine, quoi. Quand je sais que c'est du poisson, je sais où je vais. Ça percute assez vite, hein. Voilà de quoi vous jeter à l'eau, avec du poisson et du bar, pour être plus précise. Alors, messieurs, pourquoi ce choix? Pour sa chère Carole, le bar, vous le savez très certainement, il fait partie de la famille des poissons qu'on appelle nobles. Aujourd'hui, nous allons avoir une idée, à la fois sur votre technique, et votre créativité. Le travail du poisson est très délicat. Écailler, vider, lever, désarrêter et cuire sont des étapes et des techniques très importantes dans la cuisine. Pour la créativité, vous avez des produits variés qui vont vous permettre à la fois de confectionner des garnitures et des sauces à votre image. Et n'oubliez pas, le petit grain de sel fait parfois la différence. Vous avez donc une heure pour accéder à l'épicerie, choisir les produits de votre choix et réaliser votre plat. Attention, à l'issue de cette première épreuve, seuls les 50 meilleurs d'entre vous resteront en compétition. Alors si vous êtes aussi bon en mathématiques qu'en cuisine, vous l'aurez compris tout seul, nous dirons hélas adieu à la moitié d'entre vous. C'est la dure loi de MasterChef. En attendant, donnez le maximum. Vous êtes prêts? 7 heures commence. Maintenant, top, c'est parti! Pour les 100 candidats, un seul objectif, faire partie des 50 meilleurs grâce à leurs recettes. Ils disposent d'une heure pour faire leurs courses et préparer un plat autour du poisson choisi par le jury, le bar. J'ai eu assez content que ce soit du poisson, et maintenant,
il faut assurer, quoi. J'ai pas le droit de me louper, par contre, j'ai un peu plus la pression que les autres, quoi. Je m'appelle Laurent, j'ai 30 ans, j'habite à Lunel dans le lac d'Augoussillon. Je suis patron pêcheur. C'est un métier physique, on fait pas mal d'heures. Mais bon, après, quand on voit ça, c'est vrai que ça vaut le coup de travailler dans un cadre comme ça, quoi. Vivre avec la nature, pour moi, c'est quelque chose d'important. Pratiquement tous les jours, je me cuisine du poisson que j'ai pêché le matin. Donc, je me dis, pourquoi pas ouvrir un petit resto pour travailler principalement le poisson de ma pêche, quoi. Aujourd'hui, j'y vais pour gagner Masterchef et je vais être le numéro 1, empocher les 100 000 euros, ric-rac, j'ouvre mon petit resto, truc, je continue la pêche, ric-rac, dans la baraque. Tout est fait. Masterchef, c'est beau. Tirer les filets, ça devrait aller, mais après, ça va être la suite. L'accompagnement, ça va être un peu plus délicat, on verra. Le choix des produits dans l'épicerie est un moment décisif pour les candidats, car c'est ce choix qui va définir leur recette. Après les étapes de sélection, c'est maintenant l'occasion pour eux de prouver au jury qu'ils ont la créativité nécessaire pour rester dans le concours. Il y a tellement de beaux produits, on a envie de tout prendre et c'est un peu la difficulté de passer par pied. Je suis en train d'imaginer mon plat, le montage, donc je regarde, j'étudie en même temps. L'ail, il y aura de l'ail dans mon assiette. Il n'y a pas que ça, il y a de l'ail. Chers candidats, dépêchez-vous. Plus vous allez vite faire vos courses, plus vous allez avoir de temps pour cuisiner. Moi, je suis là pour vraiment avoir un avenir meilleur, on va dire. Moi, je suis vraiment là pour faire le métier de chef et de donner du bonheur dans l'assiette. Je veux montrer qu'à mon âge, je peux y arriver, que je suis capable de m'aligner avec des jeunes. C'est un sacré défi. Si la créativité dans le choix des produits est indispensable, la première vraie difficulté, elle, est technique. En effet, les candidats doivent être capables de préparer le poisson avant de le cuisiner. La première chose qu'on veut, c'est d'abord voir s'ils savent maîtriser un couteau. C'est le rapport avec le couteau, avec le poisson. Il ne doit pas accrocher, il ne doit pas déchirer. Lever le filet d'un poisson, c'est en retirer la chair en la détachant de l'arête centrale à l'aide d'un couteau. C'est une action complexe et précise qui nécessite un vrai savoir-faire. De lever les filets, je pense que je vais y arriver. Je l'ai déjà travaillé à la maison. Vous êtes habitué à lever du poisson, Ludovic ? Ouais, j'aime bien le poisson. Ça se voit. Je suis pas sûr que j'aurais fait mieux, Ludovic. Non, merci, c'est propre, c'est net. Il n'y a pas un coup de couteau qui est passé dedans. Je suis en train d'enlever la peau du bar. Et en fait, j'aurais peut-être dû enlever quand c'était entier. On m'aurait évité de tout déchiqueter. Bon, on va essayer de sauver les meubles. Bon, Laurent, vous, quand vous avez quand même découvert ce qu'il y avait dans le camion, vous avez dû avoir la banane. Ouais, ça a été, ouais. Attends, ça a dû être, c'est se dire, ouais, tirer le filet, ça va, c'est l'accompagnement après qui est un peu plus chaud, quoi. Faites voir le filet comme ça. Ouais. Non, le filet. Voilà, il n'y a rien dessus, c'est bien, rien. Bon, que vous avez pris comme garniture alors? J'ai testé comme une purée, j'ai fait cuire mes carottes dans du jus d'orange. Ouais. D'orange, je vais la passer, comme ça après je vais déglacer mon poisson quand il sera fini de cuire mon filet avec le jus là qui est resté. Ambiance barbecue ou pas alors, Laurent? Ouais, j'aurais aimé quoi, mais j'ai été au grill du coup. C'est pas ça aujourd'hui, hein? Ben ouais, je sais. Cette première expérience dans la grande cuisine, c'est l'obligation pour les candidats de s'adapter à ce nouvel environnement. Si tous disposent d'un matériel identique, chacun a sa méthode pour aborder l'épreuve. Je ne me suis pas encore occupée de mon poisson. Enfin, si je lui ai enlevé les écailles. J'ai l'impression d'avoir des écailles partout, sur la tête, dans les cheveux, sur le manteau. Enfin, bref. Mais voilà, une expérience que j'ai pas souvent l'occasion de faire dans ma cuisine de 4 mètres carrés à Paris. L'occasion d'en profiter, hein, voilà. Ma cuisine, elle doit faire, 4 mètres carrés à tout casser avec un coin un peu biscornu. Je suis chef de projet marketing dans l'agroalimentaire depuis 2 ans. J'ai la tête dans les dossiers une bonne partie de la journée, mais mon rêve, ce serait plutôt d'avoir la tête dans les casseroles. J'ai envie de prendre l'opportunité de faire de ma passion mon métier. Ça sent trop bon. Pour Annelise, la cuisine, c'est comme Obélix, quoi. Elle est tombée dedans quand elle était petite. Voilà, on se dit que peut-être bien que ça pourrait marcher, quoi. Mon projet, c'est d'ouvrir un gîte gastronomique avec chambre d'hôte, table d'hôte, et puis activités type cours de cuisine, visite du marché, etc. Il y a un vrai enjeu d'évaluer mon niveau en cuisine. C'est ça l'intérêt aussi de participer à Masterchef. À Masterchef, à votre avenir. J'espère que ça va être bien. Je vois rapidement ce que font les autres. Ça a l'air absolument génial. Taquet, toujours. Machine de guerre. La machine de guerre, c'est comme le camion qui rentre là.
Ah ouais, c'est... moi je suis au taquet, quoi. Quoi que je trompe, c'est que je suis speed, moi. Bon, comment ça se passe, Ludovic? Ça va. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme recette? Je vais faire un filet juste poêlé avec une sauce réduction teriyaki, jus d'orange, miel, soja. Ouais. Un peu de coriandre. Je vais apporter du croquant avec des pistaches, ouais, des noisettes, légumes glacés. Et de l'équilibre, hein, Ludovic? Oui, je sais ça. Bon, mais Ludovic, on n'a pas grand-chose à vous dire. Si ce n'est continuer. Ça annonce pas trop mal. Donc on a hâte d'y aller. Ça chauffe bien. Bon, Pascal, comment ça se passe? Bien. Mariné au thym et huile d'olive. Je vais essayer de concocter quelque chose d'un peu particulier en associant du lard fumé avec le bar qui va apporter un peu de fumée qui est intéressant avec le poisson. Un tout petit filet comme ça dans une assiette, c'est pas super généreux. Faut toujours se dire quand on cuisine, si je suis le client, oui, et qu'on me sert ça, et qu'on me fait payer un certain prix, est-ce que j'en aurai assez? Est-ce que je serai satisfait? Si le rôle du jury est de sélectionner les meilleurs candidats pour l'atelier, il est également de les accompagner tout au long de leurs recettes afin de leur transmettre un savoir. Je fais la cuisine depuis nombreuses années et là, je me trouve dans une autre dimension de cuisine. Je m'appelle Pascal, j'ai 55 ans et j'habite à Nantes où je suis directeur commercial dans l'univers du textile. C'est un métier extrêmement prenant, aussi passionnant par certains côtés, mais moi, la cuisine, c'est tout ce que j'ai en moi et c'est ce que je veux vraiment faire. Je peux goûter ? Il cuisine bien et depuis longtemps. Il a une confiance en soi dans ce qu'il fait. Je pense qu'il a les moyens de gagner, ouais. C'est un tel rêve pour lui. Bien sûr, je soutiens. Je l'ai toujours soutenu dans tout ce qu'il a entrepris. C'est pas maintenant que je vais m'arrêter. Messieurs, dames, les candidats, il vous reste moins de 30 minutes. Je suis très, très en retard. On va essayer quand même de sortir quelque chose. Mais on va essayer de miser sur du goût. Propre et organisé, Sébastien. Hein? Ouh, le bar mis à mariner avec de la betterave. C'est marrant, ça. L'idée, foncièrement comme ça, ça me plaît énormément. Par rapport à la compétition, je me sens serein, on va dire. J'ai peut-être pas le grand niveau que certains ont, mais je pense que ça sera l'occasion jamais de prouver aux autres que je suis capable de faire quelque chose. Vous êtes à même de déjà repérer les petits génies de la promotion, je dirais? Disons que repérer, oui, on repère les gens qui sont méthodiques, qui ont une façon de travailler déjà assez professionnelle, qui sont ordonnés dans leur travail. Qui ont une aisance, Yves. Une aisance dans le travail, dans le toucher, dans les gestes. Je crois, Carole, que tu ferais bien d'aller faire un petit tour dans les allées, apprendre à lever un bar, parce que la prochaine fois que tu nous invites, c'est toi qui vas te mettre au fourneau. Hein. J'en rêve, moi, d'apprendre à cuisiner depuis que je fais Masterchef. Mais chaque année, je régresse un peu plus. C'est pas de bol, quand même. Hein. Il leur reste combien de temps, là, à peu près? 20 minutes à l'horloge. Les amis, 20 minutes tout rond. 20 minutes, il me reste 20 minutes, faut que je me dépêche. Ah bon, mais je refais mon assiette. Je suis très inquiète, parce que pourquoi j'ai fini? Est-ce que je suis rapide par rapport aux autres? Ou alors j'ai bâclé ma recette? Ou j'ai manqué quelque chose? Je sais pas, j'ai douté, là. J'arrête. Je suis très rapide en cuisine. Je suis obligée parce que vu mon travail, vu la famille qui est assez grande, il faut que j'improvise et j'ai toujours été efficace par ma rapidité. C'est tout. Je fais une cuisine familiale parce que mes filles arrivent le week-end, donc il faut que les plats soient prêts. Et c'est pour cette raison que je suis assez rapide. Avec Masterchef, c'est impeccable. Et chaque fois, c'est délicieux, c'est convivial, c'est généreux. Je pense que depuis 10 ans où je cuisine ces plats familiaux, j'ai envie de monter d'un cran. Et ce niveau au-dessus, je peux l'acquérir par Masterchef. Mon projet, c'est faire chef à domicile. Si tu ne fais pas 59 ans, tu ne feras jamais. Moi, il faut que je change de cap. C'est maintenant ou jamais. C'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Bon, bah maintenant, voilà, il y a 10 minutes, je ne change plus. Je verrai bien. Les dés sont jetés. OK, les amis. Plus que 10 minutes dans cette première épreuve. 10 minutes, ça signifie on met les barres en cuisson et on réfléchit au dressage, évidemment, et on le soigne. Bon courage à vous. Masterchef impose aux candidats de cuisiner dans un temps limité. Plus le temps passe, plus la pression monte. Là, c'est tard, j'ai plus qu'à faire entre mon poisson à dresser, ça devrait être bon. Si certains sont confiants, pour d'autres, les ennuis commencent. Mais la peau, elle a trop collé. C'était la fonte. Le chef Anton, il m'a dit « Fais attention, si tu utilises ça, ça va peut-être accrocher ou quoi. » Et j'ai quand même voulu essayer de le faire. Je me suis dit « Bon, après, j'ai pas mis peut-être assez de matière grasse ou quoi. » Donc après, je dis « Bon, je retire le filet, je le repoile et ça va passer. » J'ai peur d'être éliminé, quoi. Comme tout le monde.
Là, il n'y a plus d'amis. C'est parti, quoi. Allez, il est grand temps de passer au dressage. Les 5 dernières minutes. Ça va être chaud. Ça ne sera jamais cuit. Je te l'ai dit tout à l'heure. C'était... Attends, hé. Prends ton temps. Je vais en retirer un autre. Tranquillement. Eh, 5 minutes, et... c'est baisé. Non, prends le grand coup. Tu prends le couteau et tu le fais à la poêle, d'accord? J'allais pas baisser les bras, dire j'arrive pas à tout balancer et dire je m'arrête, quoi. Il reste du temps et le temps, et voilà, on l'utilise jusqu'au bout et bon, on verra. Je suis à la merde. Dans les dernières minutes, certains candidats tentent le tout pour le tout. Pour d'autres, l'épreuve est déjà terminée. Moi, j'ai fini, moi. Après, faut rester humble. Hein. Moi, je suis bien. Je cuisine, c'est l'essentiel. Je me sens bien. C'est le bonheur. Allez, tape. Hein. Allez, c'est la dernière minute de cette épreuve. Plus qu'une minute. Allez, les amis, on dresse. Chacun le sait, le dressage a son importance. Ce sera la première impression du jury lors de la dégustation. Faut dresser, faut dresser. Allez, on arrête dans 10 secondes. 9, 8, 7, coquillage, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, et c'est terminé pour tout le monde, merci. Terminé, terminé. Bon, fin de cette première épreuve. Première dégustation de la saison, ça se fête, hein? Ça se fait. Hein? Ouais. Et ça se fait en goûtant sans barre. Un moment qui va être saisissant, messieurs. Et alors, comme il paraît que le poisson, c'est bon pour la mémoire, quelque chose me dit que vous n'êtes pas prêts d'oublier cette épreuve. Je vous souhaite une excellente dégustation. Merci. À plus tard. Merci, Carole. Ça va, Jérémy? Ça va bien, merci. Donc, j'ai préparé un filet de bar poché dans le bouillon de chorizo. Mm-hmm. Avec des légumes poêlés à l'huile d'olive. Vous aimez le orange? Carotte orange, sauce orange, chorizo, tout orange. Oui. Et des carottes en dessous encore. Oui. Et donc, vous l'avez cuit comment, votre bar? Juste poché. Belle épreuve, c'était sympa. Un peu stressé? J'avais jamais levé un filet de bar. Ouais, mais c'était un peu le but de l'épreuve. Et c'était à la fois le côté créativité avec l'épicerie que vous aviez et puis le côté du bar où là, c'est pas le poissonnier qui l'a levé, c'était à vous. Mais là, le filet est bien levé, hein, dans tous les cas. Je suis pas du tout serein. Le niveau est très élevé quand même. Quand on regarde les autres assiettes, ça fait peur. J'y ai pas goûté, mais il y a quand même un sacré niveau, quoi. Annelise. Je sais pas si mon niveau est dans celui des 50 premiers ou pas. Donc honnêtement, je sais pas. J'espère forcément, mais c'est les chefs qui décident. Hein. Intitulé du plat. Un intitulé, ouais. Pare et asperges, cru cuit à l'orange. Qu'est-ce qui est cru? Qu'est-ce qui est cuit? Le filet et les asperges sont cuites et au milieu, il y a un tartare de bar à l'orange avec des... Ça, c'est bien. J'ai pensé à un moment, je me dis, est-ce qu'il y en a un qui va faire justement un tartare avec... Ça, c'est magnifique. Rien qu'à l'œil, tu le vois la cuisson. Ouais. Voilà. Ça, c'est magnifique parce que d'abord côté peau, vous ne l'avez même pas cuit de ce côté-là. Juste arrosé au beurre. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. Mieux, c'est difficile. Merci. Merci à vous. Sébastien, vous pouvez donner l'appellation de votre plat? Roulade de bar aux asperges sur un petit crémeux de lard avec ses chips vitelotes et ses frites de paille. Donc la sauce, la mets où? Sur le poisson ou autour? Sur le poisson, comme ça, là? Voilà. Comment vous l'avez fait, votre jus de betterave? Alors, j'ai pris le jus de betterave qui sont juste à côté. Et ensuite, j'ai mis donc du jus de citron et de l'huile d'olive. Petite crème de lard, c'est... Ouais, c'est super bon. Ouais. Je pense qu'avec l'acidité de la betterave, quand les deux, ça doit être... Je suis confiant. Je pense que j'ai fait de mon mieux. Mon assiette est belle, enfin, pour ma part. Et j'espère rester parmi les 50 prochains. Très beau dressage. Très belle couleur, très belle harmonie. C'est pas mal. Hello, Martine. Bonjour. Vous avez fini dans les premiers, vous, Martine, non? Quasiment, non? De mémoire. 20 minutes d'avance. 20 minutes d'avance? Ah, c'est l'organisation. Oui, on tape dedans. On est calé direct. Mais après, hein? Tu doutes parce que tu te dis pourquoi tu avais fini d'avance. Et d'après vous?
Bah, je suis toujours en doute, les gars. Je me dis, j'ai négligé mon plat, il manque quelque chose sur mon plat, ça lui plaît pas. Puis après, je me suis dit, bah non, je suis plus rapide que les autres. C'est une qualité. Alors, allez, vous allez nous donner l'intitulé de votre plat. Je suis curieux, parce que j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est un tartare de légumes avec son bar caché. Et pourquoi vous le cachez, Sophie ? Je le cache parce que je trouve que c'est plus joli comme ça. J'ai pas osé leur dire que j'ai un peu abîmé le poisson. J'ai pas voulu dire la vérité, j'ai juste dit que c'était pour faire joli. J'ai bien caché mon jeu, voilà. Y a rien d'aphrodisiaque aujourd'hui ? C'est vrai, ça y est, c'est passé. En effet, lors des sélections, Sophie avait surpris le jury lors de la présentation de son plat. Voilà, voici mon poulet aphrodisiaque à la citronnelle. Un poulet aphrodisiaque à la citronnelle. J'espère que vous allez avoir chaud. C'est pour ce soir, pour vos copines ou vos femmes. Vous nous annoncez quelque chose d'aphrodisiaque pour nous rebooster. C'est très léger. On va sûrement voir affaire à la pharmacie, parce que si jamais on a quelque peu des baisses de forme, je pense pas que ça va nous rebooster. Par contre, c'est quoi qui pique comme ça? C'est les légumes, en fait. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Alors, je vais vous dire, là, on a un plat qui est relevé, épicé, qui a du goût, hein, qui a du caractère. Merci, Sophie. Merci, Sophie. Cuisson, assaisonnement, intitulé des plats, le jury enchaîne les assiettes une à une avec la même exigence. Leur but, identifier les 50 meilleurs candidats qui méritent d'accéder à l'épreuve suivante. Le bar, j'appelle ça le bar à temps. Le bar comment ? Le bar à temps. Le bar à temps ? Ah oh, oui, jeu de mots, je viens de le comprendre. Ouais, donnez-moi l'intitulé de votre plat pendant que je déguste. J'appelle ça sortie de bar. Sortie de bar. Parce qu'en fait, c'était un petit Comment il faut que je le prenne ? C'est sortie de route ou c'est sortie de quoi ? Non, c'était un petit peu mon état durant toute l'épreuve. J'étais total ivresse. Bon, Ludovic. C'est au tour de Ludovic de présenter son plat au jury. Un plat avec lequel il espère faire aussi bonne impression que lors des sélections. Monsieur, bonjour. Bonjour. Waouh, l'assiette. Mais dites donc, vous avez du boulot. Hein. Alors, c'est un cabillaud basse température qui a été laqué un petit peu avec la sauce soja. Il y a un espuma cresson épinard réduit au Riesling, quelques légumes confits, une chips pommes de terre aux algues. Eh ben, dis donc. Ça apporte un petit peu de croquant. Prends un tablier, là, rapidement. Allez. Il n'y a rien à dire. Dites-vous bien que c'est top. Ah, bienvenue parmi nous, Ludovic. Merci. Sincèrement, merci beaucoup. Respect. Merci. Non, vous avez un dressage qui est parfait, qui est bon. Une harmonie couleur qui est magnifique. Des légumes, des garnitures, des carottes, le poisson, tout est de la même taille. La petite sauce qui est puissante. C'est pas mal du tout. Il y avait la technique, il y avait le dressage, j'ai essayé de faire quelque chose voilà, qui me ressemble. Et au final, bon, bah, je pense que ça devrait être positif. Hein, voilà, quoi. Alors, le bar en charpie de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il est devenu ? Je l'ai récupéré à peu près. Ouais. Mais il est quand même un petit peu en charpie. Mais... Ouais. Bon, comment on peut appeler ce plat, Nathalie ? Alors, un roulé de filet de bar, au pourpier et noisette. Alors là, Nathalie, la cuisson, vous êtes vraiment... Limite. Mais limite, c'est pas assez cuit. Ah. Voilà. Vous avez vraiment le droit de ce côté-là. Allez. Ah ouais. Allez, racontez-nous l'histoire un peu, Laurent. Ah, c'est bar et coque et leurs petits légumes. Ah, vous avez gardé les carottes entières. Ah ouais, mais non, parce que j'ai essayé de faire un autre truc avec, mais j'ai pas eu le temps de bien le faire. Laurent, déjà le filet. Ouais. Fin comme il est, vous le poêlez côté peau, comme vous l'avez poêlé là. Très correctement poêlé. Ça suffit. Et c'est suffisant. Vous le tournez, vous l'enlevez. Ça va qu'on va. Peut-être qu'il est plutôt. Mais là, il a l'air pas mal, hein. Non, il est bien. Il a l'air pas mal. Ouais. Il y a un truc qui est sympa avec les coques, Laurent, c'est de bien les rincer, hein, si je peux me permettre. Parce que le sable, c'est jamais très agréable sous la dent. Pardon. J'allais pas les faire dégorger, quoi, dans l'évier, quoi. J'allais pas mettre du sel, refaire la mer et les faire dégorger, quoi. Après, comme j'étais niveau timing et limite, quoi, après, ça m'aurait fait deux fois plus de taf. Merci à tous les 100. Sincèrement, au nom du jury, d'avoir cuisiné pour nous aujourd'hui dans ces conditions, c'était chaud. 100 bars, on l'a fait. Hein ? Fred, t'as vu de jolies choses ? Quelques-unes qui me plaisent bien. Bon, viens, on va aller en parler par là-bas. Hein ? À tout à l'heure.
Allez, plus que 50. Merci à tous. Le jury se retire pour choisir les 50 meilleurs candidats qui auront la chance de participer à la prochaine épreuve de la grande cuisine. Vous avez goûté 100 bars, vous avez délibéré. Alors dites-nous maintenant qui sont les 50 candidats à accéder à la prochaine épreuve. Mais j'imagine que vous avez un coup de cœur. Alors quels sont vos 3 coups de cœur pour commencer ? Alors, notre premier coup de cœur, c'est Anne-Lise. J'y croyais pas, quoi, quand ils appellent mon nom en premier. Quoi, est-ce que c'est bien moi ? Ça me fait vraiment quelque chose. Anne-Lise, votre plat était très bien dressé, très élégant, très bon, très goûteux. Et vous êtes notre coup de cœur. Notre deuxième coup de cœur, c'est Ludovic. On est ému quand même, hein. Quand on entend notre nom comme ça, on est ému. On est ému, les candidats qui applaudissent et tout, c'est un petit moment de gloire, quoi. Ça va, Ludovic? On vous surveille depuis les sélections. C'est bon signe pour vous. Deuxième assiette, vraiment très enthousiasmante. Continuez. J'ai rien d'autre à vous dire que ça. Continuez. Félicitations, Ludovic. Et donc, notre troisième coup de cœur, Sébastien. Yes! Je m'attendais à être parmi les 50, mais bon, là, être parmi le coup de cœur du jury, là, ça me booste encore plus. Sébastien, en 3 mots, de la subtilité, de l'élégance et de l'émotion. Il ne faut pas grand-chose pour nous rendre heureux. Et là, on a eu les 3. Merci. Alors, ça commence très bien pour ces 3-là. Bravo à vous. Mais il en reste 47 autres à accéder à cette deuxième épreuve, l'épreuve de demain. Donc, messieurs, c'est à vous. Qui sont-ils? Nous avons hâte de les découvrir. Olivier, s'il vous plaît. Sabine. Sophie. Je m'attendais pas. On est quand même 100. Je sais qu'il y a quand même des candidats qui ont vraiment du potentiel et j'avais peur d'être moins bon que les autres. Cédric. Pascal, s'il vous plaît. Je suis dans les 50, c'est grand bonheur. C'est le rêve qui continue. C'est extraordinaire. Joël. Asna. Jérémy. Pierre, s'il vous plaît. Sharon. Simon. Eh bien alors, c'est vraiment que du bonheur. Et l'aventure continue. Florence. Christelle. Tamara. Julie. Thomas, s'il vous plaît. Véronique. Si mes calculs sont bons, nous en sommes déjà à 40 candidats sélectionnés. Il n'en reste plus que 10. Messieurs. 41e, Anaël. Célie. Aurélie. Zora, s'il vous plaît. Gaëtan. J'ai mis un certain temps avant de me rendre compte que c'était bien moi qu'on appelait. Et là forcément, une très, très grande joie. Il ne reste plus que 3 places. Messieurs, c'est à vous. Olivier. Martine. Et 49e. J'y croyais plus. Je regarde derrière, je ne pense même plus à moi. Ah, c'est surprise. Et le 50e et dernier candidat. Je pense que je peux être dans les 50 qui restent. Bah, je suis satisfaite de mon plat. Et je pense que j'ai fait ce que je voulais faire. Après, est-ce que ça plaira au chef? Tu n'y crois plus trop, quoi. Tu dis, bon, il ne reste qu'une place, on est encore 50 et 51, donc il y a peu de probabilité pour que ce soit moi, quoi. C'est le numéro 10-17, et c'est Laurent. Je
Sur le moment, je réalise pas trop. Et... marcher, pas direct voir les autres, et voilà quoi. On réalise après quand on rejoint le groupe des qualifiés. Quoi. Mais bon, les miracles, ça existe, il n'y a pas qu'à Lourdes. Alors il y en a 50 qui sont très heureux ce soir, et il y a les 50 autres déçus, on l'imagine et on le comprend forcément. Surtout continuer à cuisiner avec plaisir. Parce que quand on a la chance d'avoir une passion, faut pas la laisser filer. Un grand merci à tous. On dormira plus longtemps que ceux qui continuent. Mais sinon, voilà, une déception. Mais bon, c'est la vie tourne, la vie continue. Je vais retourner travailler vendredi. Ça valait le coup de stresser un peu, non? Ça va, vos petits cœurs battent un peu moins vite? Bravo à vous tous. L'aventure MasterChef continue. Une nouvelle épreuve vous attend demain. Alors d'ici là, tâchez de vous reposer et de reprendre des forces. À demain. Deuxième journée dans la grande cuisine MasterChef. Dans quelques minutes, le jury va faire découvrir aux 50 candidats encore en compétition l'épreuve qui permettra à 30 d'entre eux de se qualifier pour l'étape suivante. Aujourd'hui, c'est encore un challenge en plus. Il faut continuer à foncer, quoi, machine de guerre. Je vois déjà l'atelier et j'espère de tout cœur que j'aurai ma place là-bas. Bienvenue à tous. Bien remis de votre journée d'hier. Oui. Ah, ça tombe bien. Alors, la grande cuisine est prête et équipée pour cette deuxième épreuve. La bonne nouvelle sur MasterChef, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. La moins bonne nouvelle, c'est que pour peu qu'on vous demande de réaliser l'un des grands classiques de la gastronomie française, ben vous allez, je pense, l'espace d'un instant regretter votre venue. Quant à vous, messieurs, est-ce que vous pouvez nous dévoiler ce petit bijou? On va laisser Frédéric. Avec plaisir. Je me pose mille questions, je me dis qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans. J'ai envie de savoir. On a tous hâte de savoir ce qui se cache et ce qu'ils nous ont préparé. Allez Fredo, soulève. Frédéric Anton enlève le drap et c'est un millefeuille. On est amateur et là, faut sortir la pâtisserie haut de gamme. Donc, ça met vraiment la pression. Pourquoi j'ai révisé le fraisier et pas le millefeuille? Bon, j'espère que, messieurs, dames, les candidats, vous avez tous reconnu cette fabuleuse pâtisserie qui est le millefeuille. Millefeuille de gourmandise, millefeuille de plaisir, mais malheureusement, mille façons de le rater. Vous allez avoir aujourd'hui trois étapes à respecter. La cuisson du feuilletage, la réalisation de la crème pâtissière et en finale, la confection du fondant sur le millefeuille. Ça semble simple, mais c'est extrêmement technique. Je me dis, ça, c'est un truc pour moi. Vous l'aurez compris, le but de cette épreuve est donc de reproduire un millefeuille. Et justement, Sébastien, quelle différence y a-t-il entre un bon et un moins bon millefeuille? Je suis sûr, Carole, que les candidats connaissent la réponse. Vous savez, quand vous commencez à le découper, le son qu'il fait, déjà, vous savez à ce moment-là que le feuilletage est génial. Donc j'ose espérer que vous allez nous faire 50 millefeuilles fabuleux. Puis vous n'avez pas de chance parce que le millefeuille, c'est le dessert préféré de Sébastien Demorand. Ouais. Alors, vous avez sur vos plans de travail tout le matériel nécessaire, la recette détaillée et la pâte feuilletée. À mon top, vous aurez une heure pour réaliser ce millefeuille, pas une minute de plus. Purée, c'est pas possible. Et je vous rappelle qu'à l'issue de cette épreuve, 20 candidats quitteront la grande cuisine. Alors, bon courage à vous tous. Et cette heure commence maintenant. Top, c'est parti. Les candidats disposent d'une heure pour réaliser un grand classique de la pâtisserie française, le millefeuille. Pour les aider, le jury a mis à leur disposition une recette dont chaque étape doit être rigoureusement suivie. Technique et précision vont être les qualités nécessaires s'ils veulent réussir le test et avoir la chance de faire partie des 30 candidats sélectionnés au terme de l'épreuve. Il faut suivre une recette, donc en fait aujourd'hui, il faut être bête et discipliné, ne pas réfléchir, lire et appliquer. Voilà. Pour réaliser un millefeuille à l'identique, il y a des choses à respecter. La première chose, c'est la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, il faut bien l'étaler régulièrement, ce qui paraît anodin, mais qui techniquement est compliqué.
Lors des étapes dites techniques d'une recette, le jury est néanmoins présent auprès des candidats pour les accompagner. Ça va, ça va ? Oui, ça va. Alors le feuilletage, il ne faut pas casser les feuillets. Donc on prend au centre et on pousse, d'accord ? Et de l'autre côté, la même chose. Et puis, de temps en temps, on décolle parce que ça colle sur le papier et ça avance plus. Le but de la pâte, il faut qu'elle glisse. Et elle glisse entre quoi ? Entre le papier et la farine. Je suis pas du tout à l'aise. Non, c'est vraiment pas mon truc, la pâtisserie, quoi. Ouais, je suis plutôt tout au jambon, quoi. En cuisine, la pâtisserie est l'un des exercices les plus difficiles, car il demande beaucoup de technique. Alors même pour ces cuisiniers amateurs de haut niveau, réaliser un millefeuille est une mission périlleuse. Un millefeuille, c'est de la pâte feuilletée, c'est ces feuilles qui sont croustillantes, et si jamais la pâte n'est pas cuite, on aura des problèmes. Ah ! Wow ! Oh là là, qu'est-ce que ça va faire ? Là, elle va être caramélisée, je te le dis. Allez, 5 minutes, moins 20, c'est bon. Deuxième étape, c'est la crème pâtissière. Crème pâtissière, quelque chose de très classique. Des jaunes d'œufs avec du sucre. On ajoute à l'intérieur de la farine. On verse du lait qui est vanillé à l'intérieur. On mélange tout. Il faut qu'elle soit à la fois onctueuse, pas trop liquide, pas trop dure. Il faut clarifier les œufs. Il faut surtout surveiller le lait parce que ça risque de bouillir d'un instant à l'autre. Il faudrait pas se louper là-dessus. Attention à ton lait. Ouais. Ça, c'est du sport. On élimine toutes les calories qu'on va manger. Toujours zen, moi. Quand je cuisine, je suis tranquille, détendu. J'ai pas forcément de stress, donc on verra. Pour l'instant, ça se passe bien. Je me sens confiant, ouais, sur la gestion du temps. Ouais. Après, il faut faire attention, voilà, quand on parle. Je m'appelle Ludovic, j'ai 35 ans et je viens à Dunkerque. Ça fait 2 ans que je suis superviseur de chantier par intérim. Ah, c'est pas que j'en ai marre du métier, c'est que moi, depuis petit, je veux faire de la cuisine et j'ai pas eu la chance d'y accéder, quoi. Mes parents n'ont pas voulu et je veux rattraper ce temps. Il faut pas forcément avoir des diplômes pour être bon. Il suffit d'aimer ce qu'on fait. C'est un travail de tous les jours. Tous les jours, j'étudie. Tous les jours, je bouquine. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En cadeau, à Noël, ça a été que sur la cuisine. Anniversaire, que sur la cuisine. Il s'endort avec et puis il se réveille avec. C'est obsessionnel. Des fois, ça me fatigue même parce que j'y pense trop. Je fonce parce que je sais que j'ai un projet derrière moi. Ouvrir un restaurant. J'aspire à devenir cuisinier. Même chef, carrément. Quand on dit je suis chef de cuisine, on est le roi du pétrole. Bon, Ludovic, il a déjà terminé. Moi, je vais vous dire la vérité, Ludovic. Je suis pressé de déguster aujourd'hui. Ah, vous savez pourquoi ? Parce que je veux voir si vous avez la même sensibilité et la même façon de travailler, le salé que le sucré. Sur l'épreuve précédente, j'ai été coup de cœur. C'est vrai que voilà, on se dit qu'on est peut-être aussi un peu plus surveillé que les autres. Donc, faut pas décevoir, quoi. Alors, Olivier, comment ça se passe chez vous ? Bonjour, monsieur. Ça va ? Ouais, ça va. C'est quoi les petits graffitis ? C'est des penses bêtes sur la main ? Non ? Vous avez dessiné le millefeuille sur votre main ? Ouais, c'est exactement, ça ? Ouais. J'ai fait le nombre de bandes qui avaient été faites. Ah, trop drôle ! Ça. Regardez ça, regardez ça. Hop, tout est là. C'est vachement malin, ça. Bon, vous le sentez, ce millefeuille ? Ouais, parce que c'est une super pâtisserie. Ah ouais ? J'adore ça. Vous en avez déjà fait ? Oui. Oui, ouais. Carrément. À la maison ? À la maison, ouais. Ouais. On est du côté de l'amateur hyper éclairé. Non, l'amateur super gourmand, en fait. Ah, mais... Je m'appelle Olivier, j'ai 35 ans et je vis dans la région de Saint-Jean-de-Luz. Je suis banquier pour les professionnels depuis 10 ans. Au quotidien, pour moi, ça me convient plus. J'ai besoin de quelque chose d'un peu plus fun et dans lequel on va avoir un seul objectif, c'est de faire plaisir aux clients, aux amis, aux personnes qu'on va rencontrer. Le type de cuisine que je veux proposer à mon établissement, c'est la cuisine de ma région, c'est la cuisine principalement du Pays Basque, du Béarn, et bien évidemment, beaucoup de pâtisserie, parce que je suis fondu de sucre. Là, normalement, elle devrait être top. Bon, on vous sent quand même pas très à l'aise. Vous avez plus à l'aise avec un filet de sole qu'avec un fouet, Laurent. Eh ouais. Vous faites pas de pâtisserie à la maison ? Si, j'en fais, mais j'aime pas trop le sucré. Tant qu'il y a la recette, il n'y a qu'à appliquer, normalement. Ah, j'ai une bonne réponse. Bonne réponse. Écoutez bien, ça fait déjà 30 minutes que vous cuisinez, hein ? 30 minutes. C'est dur. Je sais pas si c'est la texture voulue. Mmh.
chier, là. Quand j'aborde la crème pâtissière, j'ai un saladier de farine devant moi, je le prends, je renverse et je m'aperçois que c'était pas le bon saladier, c'était pas celui qui était grammé. Donc ça a figé tout de suite et voilà, à la poubelle. Pendant 2 minutes, c'est blackout, quoi. J'arrête ou je continue parce qu'il me restait que 2 œufs alors qu'il en faut 4 dans la recette. Donc je me dis, je continue. Donc je refais une pâte et on verra. Je vais tout réduire de moitié et il y a un peu moins de crème pâtissière que normalement. Voilà, c'est comme ça. Il ne reste plus que 20 minutes aux candidats pour terminer leur millefeuille. Mais avant de pouvoir commencer à dresser, ils vont devoir affronter une dernière difficulté, le fondant. Le fondant, alors, c'est du sucre, de l'eau et du glucose que l'on doit monter à 115 degrés et c'est la cristallisation qui va faire en sorte que ce fondant devienne blanc. Mon truc, il est en train de brûler les noirs, c'est pas normal. Oh, oh non, c'est pas possible. J'ai cramé mon sucre. Et c'est devenu caramel alors qu'il était supposé être blanc pour le nappage. Putain, je suis deg. J'ai envie de pleurer. Putain, c'est du sucre, ça. Donc du coup, bon, je prends une casserole, je remets du sucre, je remets du glucose, j'essaye de faire au maximum, je remets le thermomètre. Et donc, par contre, contrôlez bien la température. La température est hyper importante. Mais en fait, tout à l'heure, j'ai laissé, je voyais qu'il était toujours à 30, à 40. Pourtant, il était à ébullition et il avait une belle couleur. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, le thermomètre? Bah, faut le mettre et il monte. Il monte, donc voilà. Mais moi, je suppose qu'il faut monter jusqu'en haut. Attendez, il faut qu'il monte à combien? Il faut qu'il monte à 100, 115. Et en haut, c'est combien? C'est 90. Il y a bien un en devant. C'est 190. C'est 190. Ouais. 1, 9 et 0, c'est 190. Donc ça crame. Voilà, donc ça crame, c'est logique. Allez, il faut se ressaisir. Non, alors, mais recommencer. Je savais pas lire. Donc bon, maintenant, vous le savez, vous avez le temps. Allez. De recommencer. 50, allez, c'est bien. Là, je lance mon glaçage, je respecte les proportions de la recette et, erreur de ma part, inattention, je mets peut-être le feu un peu trop fort, je commence à mélanger et là, je vois que mon sucre, il commence à caraméliser en dessous. Putain, il a caramélisé. Mon sucre, il a caramélisé, il est mort. Je mets sur le plan de travail, j'ai des morceaux, c'est inutilisable. Là, je me dis, mince, je vais pas échouer à cause de ça. Donc là, je regarde un peu mon plan de travail, je vois un fond de sucre dans un pot. Je vois que j'avais pas bien raclé le glucose, je lève une casserole, je remets une cuillère à soupe de sucre, un tout petit peu de glucose, un petit peu d'eau, et là, vraiment, dans un mouchoir de poche, je refais un petit fondant en me disant faut pas que je le rate. Je crois que j'ai réussi mon deuxième glaçage, mais il me restait, 30 grammes de sucre. Donc là, c'est le tout pour le tout. Quantité ridicule. La pression de l'épreuve pousse souvent les candidats à se dépasser. C'était l'objectif de Pierre en participant à Masterchef. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Je m'appelle Pierre, j'ai 27 ans, je vis à Nogent-sur-Seine et je suis professeur d'éducation musicale depuis 5 ans. La musique, c'est une discipline de création, mais le métier d'enseignant, c'est quelque chose d'assez répétitif. Et j'ai vraiment envie d'aller m'exprimer autrement que par les sons et la musique avec ma cuisine. Ma décision de changer de vie pour la cuisine, elle est prise. Je pense qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas la cuisine dans ma tête. Et là, Masterchef, c'est l'opportunité, en tant qu'amateur, de pouvoir concourir, se mesurer, apprendre aussi. Il y a évidemment 100 000 euros à gagner. Pour réaliser un projet comme le mien, qui est d'ouvrir une table d'hôte, ça serait exceptionnel. J'ai bien l'intention de tout faire pour aller le plus loin possible et gagner Masterchef. C'est pas fini, l'épreuve est pas finie. Moi, jusqu'au bout, je me bats et je vais essayer d'assurer au maximum. Messieurs, dames, les candidats, plus que 10 minutes. Là, il est grand temps de faire le montage de votre millefeuille. Pour la composition du millefeuille, il faut que la pâte feuilletée soit froide ainsi que la crème. Et comme on est limité dans le temps, la pâte était chaude, la crème pas très refroidie. Et... oh, putain, c'est pas possible. Là, c'est l'élimination directe. Je n'ose même pas le poser dessus. Pour l'instant, si ça s'écroule pas, ça va. Voilà, je termine. Ouais. Terminé. Voilà, c'est la première fois que je fais un millefeuille, donc je pense que par rapport aux autres candidats, je me suis pas mal débrouillé. C'est un concours, hein, il faut des gagnants et des perdants. Donc voilà. Messieurs, dames, les candidats, on rentre dans les 5 dernières minutes. 5 minutes. Et là, il faut dresser impérativement. Allez, faut terminer, allez. Pour
Pour fêter le retour de Masterchef sur TF1, nous vous offrons ce soir la somme exceptionnelle de 10 000 euros. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Avec quel poisson les candidats devaient-ils cuisiner dans la première épreuve ? 1. La dorade. 2. Le bar. Envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous appelez le 36 80. Vous ne disposez que de 5 minutes pour répondre à cette question. Bonne chance. Messieurs, dames, les candidats, on rentre dans les 5 dernières minutes. 5 minutes. Et là, il faut dresser impérativement. Vite. Ça tient pas. Allez, faut terminer, allez. C'est pas mal, Thomas, écoute, le fondant est sympa. Écoute, en fin de compte, les candidats qui ont respecté à la lettre, ça reste quand même que de l'eau et du sucre, le fondant. Ça marche. C'est la première fois que j'en fais. Qui a deux résultats plus que convaincants. Bravo. Je sais pas si c'est bon, mais au moins, bravo. Vous avez fait ça depuis que vous êtes petit ? Non, c'est le premier. C'est le premier ? C'est généreux. Ah ben moi, je vais dire comme ça visuellement, un coup d'essai, un coup de maître. Merci, chef. Je crois que je peux le dire, là, je suis fier de moi. Mon millefeuille, je le trouve assez réussi. C'est vrai que les traits de chocolat sont un peu épais, on n'a pas les mêmes décors que dans le millefeuille de la vitrine, mais ça va. À peu près, à la limite, c'est bien de temps en temps. Et quand on se met à cuisiner gastronomique, il faut être dedans, surtout en cuisine et encore plus en pâtisserie. Je m'appelle Cédric, j'ai 39 ans, je suis graphiste. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre ma créativité au service de ma passion, la cuisine. Quand je dresse l'assiette, je pense vraiment au volume, aux couleurs, aussi au contraste. Faire comme une petite œuvre d'art sur une assiette, l'idée c'est ça. Hein. Je vibre pour la cuisine, je frémis quand je fais un plat. Donc je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Moi, si je gagne Masterchef, j'ai l'idée de monter un atelier de cuisine. Si vraiment j'ai cette vocation en moi, je ne voudrais vraiment pas passer à côté. Ah, c'est bon. Yes ! Cher candidat, il vous reste 30 secondes ! Oh, qu'est-ce que je fais là ? Je me suis donné. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Avec cette épreuve du millefeuille, le jury a fixé la barre très haute. Pour les candidats, c'est l'heure du bilan, et pour certains, il va être lourd de conséquences. Le millefeuille que je sors, il est laid. Mais au moins, je suis très content parce que je reviens, je pense, de très très loin. Il y a tout, quoi. La crème, elle est parfumée à la vanille. Je pense qu'elle est bonne. Mon feuilletage, je pense qu'il est bien. Mon sucre, il est là. Mon chocolat, il est là. Voilà. C'est vilain. Il y a rien à dire. Ça ressemble à rien. Ça ressemble pas à un millefeuille. J'aurais bien aimé faire une belle déco. Ça, c'est joli. Quand je vois le millefeuille des autres candidats, bah, c'est vrai que bah, ça me déprime un petit peu. Je me dis, mais le mien, il ressemble à rien. Après, je me dis que c'est vrai qu'au niveau goût, peut-être que ceux des autres, ils ne sont peut-être pas aussi bons que ça. Sébastien, Frédéric, Yves, 50 000 feuilles vous tendent les bras pour cette nouvelle dégustation. Alors, si vous ne finissez pas vos assiettes, pas d'inquiétude, je connais 2-3 personnes en coulisses qui seraient ravies de pouvoir vous aider. Moi, non. Mon double maléfique peut-être, mais moi, non. Donc je vous souhaite une excellente dégustation, à tout à l'heure. Bon courage. Merci. À vous. C'est le moment pour les 50 candidats de présenter leur millefeuille au jury. Et tous partagent le même objectif, faire partie des 30 meilleurs et accéder à l'épreuve suivante. Aurélie, s'il vous plaît. Oh. Eh ben dites donc, du volume, de la beauté. Le fondant est présent. Le chocolat est présent. Et puis le feuilletage, eh ben, comme ça d'extérieur, il a l'air d'être cuit. Regardez, il veut pas qu'on déguste du tout. Il le garde que pour lui. Non, crème très moelleuse, le feuilleté est caramélisé. Le fondant est très bien fait, très fin. Le chocolat en décoration, c'est pas mal du tout. Merci. Merci beaucoup. Merci. Olivier, s'il vous plaît. Quand j'amène mon plat, j'y crois. On s'attend à... Comment on dit, un petit coup de tranchant. S'il vous plaît, monsieur. Ouais. Oh.
Olivier, vous avez fait un choix de modifier le décor initial prévu ? Non, c'est pas un choix, c'est plutôt une petite erreur qui m'a amené à faire un plus. Ah, vous avez voulu faire un glaçage au chocolat ? Non, j'ai manqué complètement. Vous voyez dire oui à ce que je vous dis quand même une fois. Ou par contre, dites-le non. Alors, au, son, au son, c'est super. Est-ce que vous l'entendez chanter là, Louis Feuille ? Ah oui. C'est primordial. Ah. La cuisson de la pâte est primordiale. Et là, quand Frédéric coupe la pâte, on l'entend. On entend le croustillant, on entend le crach. Rien que ça, ça met en appétit. Un peu craquant sur le haut. Craquant sur le haut. Ça nous fait plaisir d'avoir goûté votre millefeuille. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est bon, ça. Martine, go, s'il vous plaît. Allez, on y va. Je présente mon millefeuille au jury très confiante. Messieurs. C'est vrai qu'esthétiquement, c'est pas très beau, mais c'est généreux en crème. Et la pâte feuilletée a l'air d'être cuite. Donc, ça a l'air d'être pas mal, quand même. Est-ce que mon millefeuille plaît au jury ? J'ai le doute qui subsiste. Je repars avec mon assiette. Le dessus laisse à désirer, c'est vrai. Et bon, je suis pas la seule. Allez, Jérémy, s'il vous plaît. Vu ce que je vais présenter, je vais pas être super à l'aise devant les chefs, donc je fais pas le fanfaron, quoi. Pourquoi il est petit comme ça ? Parce qu'en fait, sur une erreur d'inattention, dans mes jaunes blanchis pour faire ma crème pâtissière avec les quatre jaunes, j'ai versé le mauvais bol de farine. Ouais. Et du coup, j'ai complètement planté ma crème pâtissière. Il me restait que deux jaunes. Et j'ai refait une crème pâtissière avec deux jaunes. La débrouille, la débrouille. Il tient bien, celui-là. Franchement, on a envie de s'excuser. On fait profil bas et voilà, quoi. Prochain candidat, Olivier. Ah, super. Voilà, monsieur. Carrément pas mal, je trouve. Le truc, c'est que si on s'arrête donc, à la partie du haut, ouais. Et à la partie où le feuilletage est cuit, la crème est onctueuse, le fondant est bien équilibré, mais c'est vrai qu'on a, je dirais, on n'a qu'un tiers du millefeuille qui est vraiment très plaisante. Parce qu'après, quoi, c'est complètement cru. Hein. Malgré la qualité des millefeuilles de certains candidats, d'autres ont eu beaucoup de mal à relever le défi lancé par le jury. Jérémy, s'il vous plaît. Je ramène mes deux biscottes, pas très fier, même très honteux. C'est moi ou il manque un truc ? Non, c'est pas vous, non. Bon, vous comprenez bien qu'on peut pas déguster. La crème n'est pas là, le fondant n'est pas là. Et en apparence, le feuilletage n'est pas cuit. Ma pâte feuilletée n'est pas cuite, donc... Enfin, zéro pointé, quoi. Qu'est-ce que c'est, Isabelle ? C'est un ratage. Un ratage, c'est un joli nom pour une pâtisserie. Bonjour, je voudrais un ratage pour 6-8 personnes, s'il vous plaît, pour dimanche vers 13h. Oui, exactement. Florence, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à visuellement ? On va parler simplement du côté esthétique, d'abord. C'est généreux, quoi. Le seul problème qu'il y a, c'est un vrai problème, quand même, c'est que c'est bon. Je dois reconnaître que c'est un loupé qui est splendide. C'est très bon. Merci beaucoup. Merci, Florence. Cédric, s'il vous plaît. Eh, c'est le même ? Ben, en tout cas, dans un premier temps, félicitations. Là, de ce que l'on a vu jusqu'ici, c'est celui qui se rapproche le plus au millefeuille présenté. Eh oui, ça fait plaisir. À un moment, c'est pas nécessaire de perdre de temps. Merci. Merci, monsieur. J'ai eu des applaudissements. C'est du bonheur à entendre. Ça veut dire que, normalement, on passe les qualifications. Annelise, s'il vous plaît. J'ai fait un caramel. Chut, chut. Pardon. Une pâte de millefeuille, quand c'est réussi, ça fait un craquement hyper gourmand. Et elle fait ce craquement hyper gourmand. Le feuilletage est super bien cuit, très bien équilibré et très agréable. Ludovic, allez. C'est à vous. On est pas mal quand même, hein. Le décor est un peu plus grossier, mais on est quand même pas mal. Et ça, il est vrai que ça s'appelle un vrai millefeuille. Il y a un vrai millefeuille généreux, et on va taper dedans tout de suite, vous savez pourquoi ? Parce qu'il fait envie. Bon vent. Merci.
Bah, quand on se fait applaudir, ça fait plaisir, quoi. Je suis un petit peu sur un nuage, là. Il faut que je continue à travailler comme je fais, quoi. Je suis confiant, pour le travail, je suis toujours constant. Pas de problème. Merci à tous. Voilà, merci. Les 50 000 feuilles ont été dégustées. On va se retirer avec Yves et Frédéric pour délibérer. On vous retrouve dans quelques petites minutes. Merci, bravo encore à vous et à tout de suite. Après cette épreuve de haut niveau pour ces 50 cuisiniers amateurs, c'est le moment pour eux de connaître les 30 qui pourront accéder à l'étape suivante. Yves, comment s'est passée cette deuxième épreuve? Est-ce que le jury est satisfait? On a eu de belles réalisations. Vous avez dû malgré tout faire un choix? Oui. Alors dites-nous, quels sont les 30 candidats qui méritent de rester avec nous et qui vont donc accéder à la prochaine épreuve? Alors la première candidate qui va continuer l'aventure, Anne-Lise. Olivier, s'il vous plaît. Pascal. Là. Moi, être dans les 30, je suis fier de moi d'abord et ma famille doit être fière de moi comme pas possible. C'est une joie que j'ai rarement trouvée auparavant. C'est une joie qui reprend un rêve et le rêve de la cuisine. Simon, vous nous rejoignez, s'il vous plaît. Ben là, c'est pas que ça va, c'est que je suis au top, là. C'est trop, trop bon. Ludovic. Allez, tac, boum. Ouais, dans le peloton de tête, on va dire. Bon, je pensais qu'ils allaient faire un petit coup de cœur, quoi. Mais bon, l'essentiel, c'est d'être là. C'est impeccable. C'est au tour de Zora. Cédric. Thomas, s'il vous plaît. Pierre. Aurélie. Tamara, s'il vous plaît. Julie. Sauf erreur, ils sont déjà 20 candidats. Il n'en reste plus que 10. Si pour les 20 premiers candidats, le choix du jury était une évidence, pour ceux qui ont présenté un millefeuille bien loin de l'exemple à suivre, rien n'est néanmoins perdu. En effet, la technique, l'esthétique, mais aussi le goût seul, peuvent maintenant faire la différence. Le 21e, c'est Sophie. J'avais envie de crier, j'avais envie de pleurer. D'avoir gagné sur une épreuve de pâtisserie, c'était vraiment un challenge pour moi. J'y croyais pas. Ça me donne envie de continuer, de me battre encore. Julien. Zelda, s'il vous plaît. Laurent. J'étais pris le dernier et tout, je me suis dit, bon, tant qu'il reste une place, il y a encore de l'espoir. Vas-y, je suis content, j'ai content d'être pris, quoi. Asna. Sébastien. Olivier. Cher candidat, vous avez fait les comptes. Il ne reste plus que 2 places. Sabine, s'il vous plaît. L'ascenseur émotionnel, Masterchef, c'est au top. Hein. Oh, c'est terrible, hein. Mais c'est bon. Le dernier candidat à nous rejoindre. Le 2011, Martine. Super. Je sais pas ce qui m'arrive. Je viens d'être sélectionnée et je m'y attendais pas au stade-là parce que la sélection est de plus en plus sévère pour s'accrocher de jour en jour. Et là, faire partie de cette équipe de Masterchef, c'est magique. Un petit peu déçu parce que j'aurais préféré partir sur quelque chose de nickel. Il y en a 30 qui ont sorti quelque chose de mieux. Donc, j'ai pas rempli tous les critères et c'est normal, c'est un concours, c'est comme ça. Pour 20 candidats, c'est la fin. Pour les autres, le concours continue. Le niveau et la tension montent encore d'un cran. Bravo à vous tous. Vous étiez 100, vous n'êtes plus que 30. L'atelier s'approche à grands pas, mais il reste encore 2 épreuves pour y accéder, et pas des moindres. Alors, votre programme demain, votre premier challenge par équipe. Sur ce, reposez-vous et à très vite. Bon courage. «
Masterchef, troisième jour d'épreuve. Pour la première fois depuis le début de la compétition, c'est à l'extérieur de la grande cuisine, sur la place des Invalides à Paris, que les cuisiniers amateurs retrouvent le jury. Bibi aux Invalides. Alors ça, qui l'aurait dit, quoi. Qui l'a cru. Je me dis, mais c'est pas possible, on va pas cuisiner devant les Invalides. Et en plus, tu vois ces chefs, les trois chefs alignés. Bien, bonjour à tous. Bienvenue au cœur de Paris, devant la cathédrale des Invalides. Je sais, vous vous demandez certainement ce que vous faites là. On va vous le dire dans une petite seconde. Mais auparavant, on va constituer des équipes. C'est votre première épreuve en équipe. Vous êtes 30. On va donc constituer 6 équipes de 5 personnes. Et à l'issue de cette épreuve, eh bien, c'est une équipe entière qui sera éliminée. Car on gagne ensemble ou on perd ensemble. La première équipe, c'est donc l'équipe rose avec Olivier. C'est le jury qui a choisi la composition de chacune des 6 équipes de 5 candidats. Son but, associer des cuisiniers amateurs de tous les âges comme dans une authentique brigade de restaurant avec des savoir-faire culinaires différents. Ludovic, Julie et Sabine. Les équipes sont faites, mais avant de commencer à cuisiner, chaque équipe doit encore désigner un chef. Et les candidats sont conscients de l'enjeu. Si on plonge, on plonge toute l'équipe et c'est impossible. Si le chef dirige mal sa brigade, c'est l'ensemble de l'équipe qui risque d'être éliminé. Chef Cédric, c'est parti. Chef Cédric. C'est parti. Un pour tous, tous pour un. Ouais, allez. Super. Équipe bleue, qui avez-vous choisi comme chef d'équipe? Ludovic. Ludovic. C'est marrant, c'est pas vraiment une surprise. Très bien, Ludovic. Moi, dans ma vie, je suis conducteur de travaux, donc je gère des entreprises, j'ai des responsabilités. Le fait d'être chef sur cette épreuve, ça ne me change pas du quotidien. Je pense que j'ai du potentiel en cuisine et ça me fait plaisir que les candidats le remarquent. Équipe jaune, qui pour vous diriger? Simon. Simon, très bien. Équipe vert, qui? Olivier. À la tête? Olivier. Olivier. Du côté des violets, qui est chef d'équipe? Cédric, très bien. Équipe orange? Pascal. C'est Pascal, ok. Je me dis, bah ça y est, c'est moi, ça commence. Et d'un autre côté, tout de suite, c'est pourvu que je ne déçoive pas. Et on termine avec les roses. Olivier. Ah, Olivier. Parce qu'il a plein d'idées, il a l'air motivé à fond. C'est une évidence pour nous que c'est Olivier le chef. Ça ne me déplaît pas, mais j'aurais pu être commis de quelqu'un, ouais. Ça l'aurait fait. Vous brûlez certainement de savoir pourquoi on vous a amené aujourd'hui aux Invalides. Voici la réponse. À la fin du XVIIIe siècle, un certain monsieur Parmentier travaillait ici et commença à cultiver ses premiers plants de pommes de terre. Et il était persuadé que la culture de la pomme de terre permettrait de faire face aux nombreuses famines qui avaient cours à l'époque. Alors, ce merveilleux tubercule est aujourd'hui au cœur de cette première épreuve. On va vous demander de réaliser une entrée et un plat par équipe. L'élément principal de vos recettes doit être la pomme de terre. Moi, quand on me dit un plat à base de pommes de terre, je pense au gratin dauphinois ou à la tartiflette. Donc bon, voilà, c'est des idées qu'il faut laisser de côté parce que là, le but du jeu, c'est vraiment de mettre la pomme de terre au centre de notre entrée et au centre de notre plat. L'épreuve de la pomme de terre est très intéressante parce qu'on veut faire comprendre aux candidats que le plaisir de bien manger n'est pas obligatoirement lié au coût de la matière première. Vous avez 90 minutes et ces 90 minutes commencent maintenant. Ah bah oui, on sait jamais si c'est vrai. Si on fait de la friture, on va prendre BF15 pour la friture. Il faut aller chercher, faire son marché sur les pommes de terre et les variétés. Les petites, tu prends les rats. Prends les charlottes et les charlottes. C'est parmi une vingtaine de variétés de pommes de terre que les candidats doivent faire leur choix. Un choix à ne pas prendre à la légère, car d'une variété de pommes de terre à l'autre, le goût, mais aussi le mode de cuisson peut être différent. Vous avez pris des amandes. Allez, on va au garde-manger, c'est bon. Il y a du basilic, il y a de la nette, il y a du cerfeuil. Pour accompagner la pomme de terre, élément principal de leur recette, chaque équipe dispose d'un garde-manger identique composé d'un grand nombre d'ingrédients. C'est aussi le choix de ces produits qui va aider les candidats à définir la recette de l'entrée et du plat qu'ils vont devoir réaliser. L'entrée, il faut qu'il y ait un truc qui ait du peps, qui réveille la papille. C'est ça, et tout, ouais, hein. C'est ça, ouais. Il faut un truc. Genre de ça, vous savez, les salades de hareng, quand c'est bien fait, c'est le top.
Moi, ça va. Je mets juste, on se déchire. La salade pomme de terre à rang, c'est un grand classique. C'est quelque chose qui est très bon, qui fonctionne très bien. Donc ça, on part là-dessus, sous forme de millefeuille pour faire quelque chose de joli. Alors pourquoi pas faire le bouillon peut-être et faire une sorte de brochette, tu vois, avec voilà, qu'on peut poser machin dessus. Que tu viens poser ouais. dessus. Quand on élabore la recette, chacun dit, voilà, moi je sais faire ça, moi je sais faire ça. Il y a beaucoup d'idées de la part de Ludovic. Les candidats, ils vont devoir s'accrocher parce que, en parlant des pommes de terre, je vais envoyer la purée, quoi. Voici une nouvelle chance de remporter le chèque de 10 000 euros mis en jeu ce soir. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Devant quel monument parisien se déroule la troisième épreuve autour de la pomme de terre ? 1. Notre-Dame. 2. Les Invalides. Envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous appelez le 36 80. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour répondre à cette question, alors à vous de jouer. Retour aux Invalides à Paris, où les 6 équipes de 5 candidats s'affrontent dans une épreuve autour de la pomme de terre. Mes parents, ils sont producteurs de pommes de terre. Donc, j'en ai ramassé, planté toute ma vie, toute ma jeunesse. Donc là, c'est... Voilà, je connais. Je viens d'une famille d'agriculteurs, donc quand j'étais plus jeune, bah, il fallait aider. Mes vacances scolaires, c'était soit les pommes de terre, soit les vignes. Je travaille à l'office du tourisme de Colmar. J'adore ce que je fais, mais il me manque quelque chose pour m'épanouir totalement. Donc moi, ce que je souhaite, c'est allier le tourisme et la gastronomie. Mon objectif, en faisant Masterchef, c'est ouvrir une table d'hôtes chez mes parents. C'est là-bas que j'ai grandi et toutes les parties importantes de ma vie se sont déroulées là-bas. Donc pour moi, l'aboutissement serait forcément de faire vivre ce lieu. Nous, on est très fiers que ça continue comme ça parce que c'est une exploitation qui date de 3 générations. Donc c'est bien s'il continue. Je n'envisage pas du tout l'échec de la pomme de terre face à mes parents. Pas possible. C'est pour eux. C'est une dédicace. Sébastien, t'as lancé tes purées ? Ouais, j'ai lancé mes purées. Pourquoi vous n'avez pas fait de la purée de pomme de terre avec pomme de terre non épluchée ? Là, vous cuisez à l'eau. L'eau, elle va rentrer à l'intérieur. La pomme de terre, elle va se gorger d'eau et ça en va enlever du goût. Okay. Les épreuves sont l'occasion pour le jury de transmettre leur savoir aux cuisiniers amateurs. Malgré leur talent, tous participent à Masterchef pour obtenir les bases nécessaires et devenir de véritables professionnels. Change de pomme de terre, on continue pas comme ça, hors de question. Oh purée. Olivier, c'est vous le chef d'équipe, n'est-ce pas ? Oui. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous avez pris comme variété de pommes de terre ? On a pris de la binge et de la ratin. L'entrée, parlez-moi de l'entrée. Concernant l'entrée, on va préparer des pommes dauphines dans lesquelles que l'on va garnir de 3 ingrédients différents. Saumon courgette, du comté que l'on va réduire en crème avec des lardons et du poivron en brunoise avec un petit peu de piment. La rate, c'est pour le plat. Et pourquoi le choix de la rate sur le plat ? Parce que c'est une pomme de terre très agréable en bouche, sur une purée, tout simplement écrasée à la fourchette. Vous êtes sûr que la rate sur une purée, c'est une bonne idée ? Oui. Moi, ça me convient. Vous avez raison. Il est sûr de son coup. Non, mais je voulais savoir. Bien sûr. Mais le plat, c'est quoi, Olivier ? C'est juste une purée ? Concernant le plat, en fait, ce sont des gnocchis faites avec de la binge. Et on utilise une rate de pomme de terre au centre de, de l'assiette. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes super ambitieux. Mais attention. Parce que vu les explications, ça a l'air magnifique, il y a énormément de boulot. Alors je pense qu'on va vous laisser parce que vous n'allez pas vous amuser. Ouais. J'ai mis un objectif qui était assez élevé, mais sur une épreuve de concours, il faut aussi qu'on prenne des risques. C'est ce qui peut faire la différence. Songez bien, Olivier et Florence, ça fait déjà une demi-heure que vous cuisinez, il vous reste une heure. Donc accélérez un petit peu quand même. Hein. Allez, bon courage. Allez, allez, on y va, on lâche rien. Bon, Pascal, est-ce que vous pouvez me dire les variétés de pommes de terre que vous avez choisies ? On a pris la Charlotte. De la Charlotte, on va traiter façon pavé drumstick. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui va être le point central. C'est vraiment l'élément principal. C'est le pavé qu'on fait pocher dans un bouillon de volaille assez corsé et qu'on va griller. D'accord. Et on va l'accommoder avec une garniture faite de champignons, de lard fumé et un jus qui est en train de se faire un petit peu relevé et corsé. Voilà, OK ? Merci, chef. J'ai entièrement confiance à l'équipe. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Tout le monde gère. Et surtout, on s'entraide. Ça, c'est essentiel pour moi. Une équipe, une brigade, comme on dit, c'est un groupe soudé qui fonctionne ensemble, qui tire dans le même sens, de façon à produire des assiettes au cordeau. Allez, allez, faut envoyer là. Tu me dis comment... mais tu me dis comment tu veux exactement, chou-fleur ? Tu les veux comme ça ? Tu veux émincer ? Non, des petits bouts. Je veux juste des petits bouts. Ça suffit. Allez, tout le reste, tu me débarrasses.
Allez. C'est pas évident d'être chef, très bien, mais on demande à un chef aussi de nous laisser faire, de nous diriger et non de faire à notre place. Dans une équipe, t'as besoin de faire confiance. Ils m'ont demandé, fais-nous confiance, tout ça. Bon, mais tout l'inverse a été fait. Donc c'est pour ça que je suis venu, j'ai rectifié, j'ai regardé. Je te montre, d'accord? Comme ça, d'accord? Pas plus gros. J'en ai pas besoin de beaucoup, hein. J'en ai besoin. Non. Hein. Allez, on accélère. Tu sais pas quoi faire là? Attention, il y a du liquide goût là. Oh merde! Attends. Ouais, c'est bon? Allez, go. Détends-toi. Il faut speeder. Ok. Oh putain. Dans l'équipe rose, les candidats ont du mal à fonctionner ensemble. Pourtant, pour réussir cette épreuve, chaque équipe doit faire preuve de cohésion et d'organisation. Être chef, ça ne s'invente pas, et pour certains, c'est naturellement que l'autorité s'impose. Ouais, il n'y a personne qui parle, donc tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Donc au final, ça devrait aller, je vais juste venir voir après pour goûter, pour les assaisonnements, voir si c'est bon. Je suis confiant, j'ai confiance en eux. Ouais. Moi, c'est mon chef, je suis son bras. Pour moi, il n'y a pas de contestation possible. Moi, je suis chef des pommes de terre, en fait. Cuisson de pommes de terre, épluchage de pommes de terre, c'est moi. Un conseil, là, vous êtes en train de les éplucher. Oui. Moulinez-les tant qu'elles sont chaudes, parce qu'après, sinon, votre pomme de terre va corder et vous risquez d'avoir un résultat assez décevant. Vous savez, c'est un travail d'équipe. Moi, j'ai fait la purée de pommes de terre pendant des années dans le restaurant de Joël Robuchon. Et quand les pommes de terre étaient cuites, tout le monde s'arrêtait de travailler et les 20 personnes étaient en train d'éplucher les pommes de terre au lieu d'éplucher pendant 20 minutes. D'accord. En 3 minutes, les pommes de terre étaient épluchées. Elles étaient chaudes, elles étaient D'accord. passées au moulin tout et elles n'étaient moi. Jamais cordées. Merci, chef. Bon, allez, on me laisse continuer. J'adore. Moi, j'ai une crainte sur certaines équipes qui ont eu beaucoup d'ambition. Mmh. Est-ce qu'ils ne sont pas allés un peu trop loin? Ouais, l'excès de confiance peut être négatif. Quoi. Mmh. Une petite crème de pommes de terre, petit potage. Potage parmentier, oui. D'accord. Exact. Simplement. Et à la rigueur, des petites ravioles à l'intérieur, des petits légumes qui se rajoutent, des petites asperges. Ça peut être aussi bon que des plats à la mode, bien ficelés, bien dressés. Ils ont beaucoup d'ambition et ils ne se rendent pas compte que la pomme de terre, qui est soi-disant un produit au départ de base, Frédéric, ouais. mais. Attention, techniquement, pour vraiment avoir une sensation gustative de très haut niveau, c'est toujours très délicat à travailler. Alors, dites-moi, vous nous expliquez un petit peu tout ce que vous avez fait à base de pommes de terre. Alors, l'entrée, on va faire des pniques gnocchi. C'est qui maîtrise les gnocchi? C'est Véro. C'est Véro? Véro, elle sait faire? Bon, oui. D'accord. Donc, alors, l'entrée, gnocchi, comment? Gnocchi avec un petit jus de volaille, ouais. un peu d'asperge. Quelques-unes, comme ça. Voilà, mais voilà, comme la pomme de terre reste l'élément central du plat. Voilà, non, la petite asperge. Qui a préparé le jus? C'est qui a préparé le jus? C'est moi. C'est Jérémy qui a préparé le jus. Très goûteux. Et sur les conseils de mon grand très chef, goûteux, c'est gentil. Encore un peu de réduction et je pense que vous allez avoir un résultat qui va être sympathique. Messieurs, dames, les candidats, déjà 40 minutes d'écoulées. On est pratiquement à la moitié de l'épreuve. Après 40 minutes de cuisine, chaque équipe a du mal à prendre conscience qu'elle est déjà à la moitié de l'épreuve. Allez, il nous reste 3 quarts d'heure en gros. Hein. Là, faut envoyer. Hein. Ça roule. Allez, on accélère. Si chez les Roses, Olivier impose une organisation difficile à suivre pour son équipe, du côté des Violets, Cédric réussit à imposer son autorité et chacun hérite d'une tâche bien précise. Je vais les sortir, je vais les peler, après je les file. Sur la purée, là, c'est maintenant. Là. Il reste 2 sortes de purée, on a 2 quenelles à faire. Tu poches l'autre tout de suite dans le fumet, là, Tamara. Ouais, attends, je le taille. Mets-toi sur les purées, là. Elle est comment, là? Elles sont cuites, là? Eh ben, allez, mets-toi sur la purée, je fais les bandes de saumon. En tout cas, faut y aller. Il reste une demi-heure, ça va aller trop vite, là. Le temps file et je vois qu'au niveau timing, on ne respecte pas tout à fait ce qu'on a décidé au départ. Réveillez-vous. Zora, qui est en fait très bonne manager, a eu 2-3 réflexions qui nous ont bien remis dans le droit chemin. Là, il faut finir et dresser en une demi-heure, donc faut juste pas s'endormir. Chez les Verts, le chef Olivier laisse Zora maintenir le rythme. Mais c'est dans la bonne humeur que le travail continue au sein de l'équipe. Les Roses, de leur côté, subissent toujours le stress de leur chef. Et les gnocchis, là, c'est bon? Il faut y aller, là. Il faut cuire les gnocchis après, là. Le timing est en train de voler, de filer très, très vite, plus vite qu'on pense. Les gnocchis, c'est bon, il faut l'envoyer. Allez, vite. Les gnocchis sont pas faits encore, putain. On est mort, hein. On a perdu un peu de temps, là. Fais les pommes dauphines, fais les gnocchis. J'ai l'impression que sur la fin, il voit le timing qui file, il veut peut-être un petit peu trop faire. Non, mais c'est pas là-dedans, tu me fais. Pourquoi tu fais ça? Non, ça doit refroidir, sinon j'en ai à cuire. En voulant faire les choses, il perd un peu son rôle de chef d'équipe. Il y a encore ça. Ouais. Allez, mets. Allez.
Tu peux aller vérifier l'eau si elle est salée là. Ici. Et après vous me réservez une poêle. On va les saisir. Une fois qu'ils sont cuits, on va les saisir automatiquement. D'accord ? Putain, c'est chaud. Faut qu'on se prépare là. Dans chaque équipe, la pression monte encore d'un cran et les premières erreurs commencent à apparaître. Quand je sors mes pavés de pommes de terre du bouillon, je m'aperçois qu'ils sont fragiles, qu'ils s'effritent et donc que ça risque de pas tenir à la cuisson sur le grill. Et c'est quand même l'élément principal du plat, donc que j'ai pas le droit à l'erreur là-dessus. Est-ce que t'as mis beaucoup d'huile dessus ? J'espère que ça va pas se foutre en l'air. Ça marque pas. Oh là là, là là. J'ai une grosse responsabilité parce que si je rate ça, je rate le plat de l'équipe. Et donc là, là j'ai la grosse pression. Oh merde! Est-ce que tout le monde est OK? Elle s'est pétée. Merde. Bon, donc tu la reprends. On va la recouper. On va la recouper. Ouais. On va la recouper. Attends. Comme ça pour faire la même, ouais, direct. Ouais. Ça va pas du tout, hein. Bon. Je fuis, regarde, je les abîme. Les gnocchis, juste avant de les cuire, je m'aperçois qu'il y a un petit problème et que j'ai encore des morceaux de pommes de terre qui ne sont pas correctement écrasés, qui ne sont pas correctement moulinés et qui sont crus surtout. Moi, j'arrive pas à les faire, hein. C'est pas beau. Hein. J'ai peur de faire échouer mon équipe à ce moment-là. Je leur dis que je maîtrise les gnocchis, si je le rate, je fais perdre le groupe, je veux pas les faire perdre. Faut y aller là. Tu peux me le faire, j'arrive pas. Non, vas-y, mets-les comme ça. Messieurs, dames, les candidats, il vous reste 5 minutes. Je fais sur cette assiette alors, du coup. Tu fais là, mais vraiment, tu fais gaffe mais à tes manches. Faut que tu les remontes. Hein. Au moment où on lance le dressage, déjà, il nous reste pas beaucoup de temps. Sophie, elle décide de se mettre au dressage de cette assiette. Attends, on va enlever l'emporte-pièce, on verra. T'es sûr que ça tient ? Ça tient. Ça tient pas. Ça s'effondre. C'est magnifique. Faites gaffe, hein, c'est hyper fragile. Hein. Ok, au niveau des assiettes, je dresse ici. On vérifie les assonnements, surtout. Ok, écoutez bien tout le monde, 2 minutes. 2 minutes tout rond, il vous reste. 2 minutes, là. Allez, la crème d'aneth, elle est bonne. Là, il faut décorer, là. C'est magnifique. Faites doucement, faites régulier, ça va être super régulier, ça. Prenez votre temps, ça. Voilà, ça, c'est des choses... Quand on met des détails comme ça de précis dans l'assiette, faut être super régulier. Dernière minute, c'est stressant, faut dresser, faut finir, faut sortir quelque chose pour les chefs, même si c'est pas parfait. On y est, les enfants ? Oui, c'est bon. Plus que 10 secondes. Juste laisse sur les carottes. Puis on lèvera ça un petit peu. 8, 7, 6, 5. C'est fini ce dressage là ? 4, 3, 2, 1. Vite, par contre, non ? J'appelle, ils viennent pas. 5, 4, 3, 2, 1, terminé. Enlève les mères. Et c'est terminé. Résultat, il n'y a pas de sauce. Je suis dégoûté. Vous êtes fiers de nos assiettes, là, ou pas ? Ah oui. Je vois les deux assiettes. Par rapport au moment où on a l'énoncé, je me dis, là, on a fait du bon boulot. Si les bleus, les verts et les violets semblent satisfaits de leur assiette, les trois autres équipes sont plus sceptiques. Les oranges sont déçus de leur dressage. Ils sont en train de tomber. C'est pas grave. Quand je vois le plat fini, j'ai honte. C'est pas grave. Les légumes se sont écroulés et ses cheveux d'ange, dans la panique, et ben, on a pris, on a posé et puis hop, on lève les bras et on pleure. Quoi. Les roses n'ont pas eu le temps de rajouter la sauce. Chez les jaunes, Véronique s'effondre, persuadée qu'elle risque de faire perdre son équipe à cause de ses gnocchis. Non, ça fait 30 ans que je fais des gnocchis, c'est la première fois que je les loupe, c'est tout. Allez hop. C'est le moment pour les équipes de présenter au jury leurs entrées et leurs plats à base de pommes de terre. L'enjeu est de taille. L'équipe qui aura le moins réussi à convaincre le jury devra définitivement quitter le concours Masterchef. Et c'est avec les jaunes que la dégustation commence. Donc voici en entrée un millefeuille de pommes de terre avec un petit pesto et une petite julienne de carottes. Donc il y a 2 pommes de terre. Un pailleté avec des BF15 et une petite purée de rate. Dans le plat, nous avons des gnocchis à base de pommes de terre Binch, oui. Un petit jus de volaille corsé, oui. Des petites asperges et artichauts crus et des petits lardons croustillants. Moi, je trouve que c'est très goûteux. La pomme de terre, elle est goûteuse. Le pesto est bien acide, donc ça tranche bien avec. Ouais. C'est bien assaisonné. Je me dis, c'est fichu, je vais les faire perdre. Déjà là, moi, je trouve personnellement qu'il y a un super jus. Top jus. Un jus qui a du goût, qui a la profondeur et qui a de la finesse.
Et ça, vous en auriez fait le triple, le quadruple, le quintuple, on le finissait. OK. Monsieur Demorand nous dit que si on en avait mis 5 fois plus des gnocchis, il est terminé. Ça rassure. Ils n'étaient pas si loupés que ça, les gnocchis. Ils n'étaient pas ratés. C'est un soulagement pour Véronique et l'équipe jaune. Le jury a apprécié leur entrée et leur plat. Hé, hey, moi j'ai trouvé deux plats très goûteux. Mm. Les pommes de terre avaient du goût, d'accord. Alors c'est vrai que le plat principal, 5 gnocchis, c'est... Inadmissible, Fred. Inadmissible. Par contre, les gnocchis sont bons. Le lardon qui se rajoute dessus, ça corse. Et puis cette 10 000 feuilles de pommes de terre, il est génial. C'est déçu que l'équipe rose se présente face au jury. Prise par le temps, la sauce prévue n'a pu être ajoutée à leur plat. La sauce, vite! Vite, la sauce, non! Voilà. Elle était pourtant un élément indispensable pour mettre en valeur la pomme de terre, une faute qui peut leur valoir l'élimination du concours. Avant de passer devant le jury, la pression gelée. Gelée parce que je suis hyper insatisfait de ce qu'on en a fait. Voilà, on peut se planter aussi. Bonjour, messieurs. Donc nous avons fait ici des pommes dauphines garnies avec des légumes croquants qui sont assaisonnés avec des œufs de hareng, d'une vinaigrette citron. Dans le plat, nous avons préparé donc des gnocchis avec des petits lardons grillés, une purée de pommes de terre rate et des trompettes. Bon, c'est une bonne idée déjà la pomme dauphine, tu vois, c'est vrai que c'est quelque chose qui... qu'on voit pas souvent. C'est une bonne idée, quoi. Quand on voit une cuisine arriver comme ça, on attend beaucoup de choses. Et si le goût est un peu en dessous, on est un petit peu déçu. Et moi, c'est ce que je trouve. Les sauces, bon, il y en a très, très peu. Donc, c'est pareil, on a besoin à gnocchi, hein, normalement. Hein, et c'est dans la sauce, c'est dans le jus, c'est dans le fromage. Ça doit donner du goût. Donc, il manque quelque chose. Bon, Olivier, c'était vous le capitaine de route aujourd'hui? Oui. Comment s'est passé alors le long chemin que vous avez fait ensemble? Il s'est passé avec son lot de surprises. Avec son lot de surprises? Oui. Par rapport à quoi? Par rapport au comportement de... Non, je suis très fier de l'équipe qu'on a composée. Après, on finit forcément des fois sur des notes d'insatisfaction. Je ne sens pas mon équipe parce que j'ai pas à le faire devant le jury. Ça, c'est en tête à tête qu'on a des choses à se dire et pas à l'exposer devant le jury. Ils ont pas à savoir réellement ce que l'on pense ou pas de l'un ou de l'autre. Merci bien. Le jury a confirmé les inquiétudes de l'équipe rose. Le manque de sauce sur leur plat peut s'avérer lourd de conséquences. Mais j'ai l'impression que toi, qu'ils sont pas allés au bout, qu'elle n'est pas finie là. Il manque un truc. C'est mon impression personnelle. Désormais, la seule chance pour eux d'éviter l'élimination, c'est qu'une autre équipe ne convainque pas le jury lors de la dégustation de ces assiettes. Messieurs. Et c'est au tour de l'équipe orange de présenter son travail. C'est l'entrée, oui. C'est une rate en trois façons. Crème de rate, brunoise, rate et légumes. Et un petit rate pomme paille, voilà, frites. Et en plat, c'est un pavé grillé de charlotte avec une duxelle de champignons, une sauce à la volaille et un grillage de charlotte. Très bien. Entrez, messieurs. Allez. Crème de rate. Ça sent la crème, hein. Comment vous avez fait cette crème de rate? Alors, ce sont des rates pochées dans du lait, donc salé, et mixées avec de la crème fleurette. Vas-y, Fred. Moi, je trouve ça super intéressant, le mariage des trois saveurs. Et le malheur, là, c'est qu'on a tendance à manger la pomme de terre toute seule. Et c'est vrai que ça fait... Quand on mange la pomme de terre toute seule, on y reste dedans. Je trouve que la garniture, elle est meilleure que la pomme de terre en elle-même. Mais c'est la pomme de terre qui aurait dû ressortir de votre assiette. Les oranges ont également du mal à convaincre le jury tant au niveau du goût que du dressage de leurs assiettes. Moi, j'aurais aimé plus de peps. T'avais une impression de légumes, tu vois, un petit peu à l'eau. C'est pas saisonné. C'est maintenant au tour des verts de présenter leur plat. C'est un millefeuille de pommes de terre et hareng. Donc, alors, vous avez la base du millefeuille, c'est de la roseval. Oui. La petite feuillantine, c'est de la rate. Et ensuite, vous avez un pavé de pommes de terre farci aux petits légumes. Le pavé, c'est de la BF15, et avec des petites grenailles agrémentées. Pas mal, hein? Pas mal avec la pomme. Malgré que l'aromate est super intéressant, la pomme citron, là, ça relève bien.
Ce qui est très agréable, en fait, c'est qu'il y a du goût, quoi. T'as du parfum, t'as des goûts, t'as de la saveur. Ouais, la cuisson est parfaite. Les pommes de terre, là, t'as le plaisir de manger les yèmes. C'est des assiettes d'équipe. On les a faites ensemble, on a construit ensemble. Je me dis, waouh, quoi. Enfin, j'aimerais bien toute seule être capable de faire ça. Chapatate ! Après le succès des Verts, c'est au tour de l'équipe bleue, dirigée par Ludovic, de présenter ses plats. Tous espèrent que la dégustation sera au niveau du rythme imposé par leur chef pendant l'épreuve. Annoncez-nous un peu l'intitulé de vos plats. Alors, on a fait des billes de noirmoutier en bouillon. Oui. Ensuite, on a fait des bouchées de binche farcies au comté et au piment d'Espelette avec une petite sauce teriyaki à utiliser parcimonie. D'accord. Et là, on a fait un parmentier de rate au hareng fumé et petits légumes. Ok, on va attaquer. Ça manque de caractère. Hein. Ça reste très neutre. Il n'y a pas une saveur, tu vois, qui relève, qui amène une émotion, qui amène une vivacité. Bon, c'est pas mal dressé, ça. C'est très beau, ça. Hein ? Bien. Visuellement, c'est très joli. C'est très, très joli. C'est très élégant. Il y a beaucoup d'attention sur ce plat. Là, c'est pareil. Hein. S'il n'y a pas le hareng, c'est quand même assez plat. Il faut faire attention, là. L'assaisonnement ou le peps, il faut en donner parce qu'on est sur une cuisine quand même qui est assez insipide. J'ai un peu l'impression d'avoir chuté 2-3 étages à l'ascenseur. Là. Personnellement, il ne faut plus que j'ai de remarques d'assaisonnement. Quoi. Au niveau moi où je suis par rapport aux autres, recevoir des problèmes d'assaisonnement, enfin non, c'est pas, on ne peut pas. On ne se nourrit pas de l'esthétique. L'esthétique nous met en appétit, mais on ne s'en nourrit pas. Attention. Sur le coup, on prend une claque quand même. Hein. J'ai tellement eu de coups durs dans la vie que les échecs, moi, je ne veux pas accepter d'échecs. Quoi. C'est un peu en dedans, hein. Je crois qu'on a une telle présentation. Et on se dit, c'est bluffant. Derrière le goût, on reste un peu en dedans. Après, moi, ce que je trouve vraiment intéressant chez les Bleus, c'est les idées dans les assiettes. Il y a de vraies idées. Même si elles ne sont pas super bien exécutées jusqu'au bout, il y a une super belle idée. La dernière équipe à se présenter est l'équipe des Violets. Au terme de cette dégustation, le jury annoncera quelle équipe quittera définitivement le concours. La dégustation, c'est le moment qu'on attend tous à partir du début de l'épreuve jusqu'à la fin. Donc voilà, on y est. Alors vous avez l'entrée, donc vous avez un gnocchi en deux façons, gnocchi de binch. Oui. Donc le premier est poché dans un fond blanc de volaille. Oui. Le deuxième est frit à l'huile d'olive. Oui. Okay. Ensuite, vous avez en plat une déclinaison donc de la pomme de terre avec de l'amandine, de la roseval et de la rate. Plus des gaufrettes. Et là, la variété, c'est de la binch. Donc l'entrée, pour commencer. T'as deux condiments différents, deux gnocchis qui travaillent de façon différente. Non, mais honnêtement, tu vois, ça me plaît. C'est élégant, c'est fin. Ah, après, ça, je veux, ouais. Après, je reproche la quantité. Je rejoins Yves sur un point. Ces assiettes sont magnifiques. Mais attention, le goût, l'assaisonnement, la force d'un plat fait le plat. Oui, chef. Sincèrement, j'ai la pétoche. Mais aussi, avec les compliments qu'on a eus, je me dis, tiens, on a réussi une partie de l'épreuve. Bon, c'était quand même une chouette épreuve, moi, je trouve, hein, sur la patate. Il y a des assiettes quand même de très, très haut niveau, moi, je trouve. On travaille par équipe, c'est pas mal. Ouais, hein. Ouais. On a eu des choses c'était très bien. Intéressantes, différentes, mais très intéressantes. Qui c'est qui part ? Ça va être difficile. Moi, je pense que j'ai mon idée. Toi, t'as ton idée ? Aussi. Je sais pas, c'est assez ouvert. Allez, bon, on va discuter, alors. C'est le moment pour les équipes d'assister au verdict. Celle qui aura le moins réussi à séduire le jury avec ses assiettes devra quitter le concours. Dans quelques minutes, pour 5 candidats, ce sera la fin de l'aventure Masterchef. Le verdict, oui, c'est la flip hein, pour tous. Hein. On se demande si on va être pris ou pas, voilà. Soyez les bienvenus. Ça va, vous avez tenu le coup ? Oui. Qui a un papa producteur de pommes de terre ? Ça aide, non, quand même, quand on a ce genre de mission ? Ah, il y avait de la pression, hein. Y avait de la pression, mais c'est un beau clin d'œil. Enfin, c'est vraiment un plaisir de travailler, du coup, la pomme de terre, quand on l'a plantée et ramassée. Du coup, là, c'est la boucle est bouclée, la finalité. Bon, Ludovic, l'équipe bleue s'est bien comportée ? Parfaitement. On a travaillé dans le calme, on a essayé d'être méthodique, on a fait quelques petites erreurs.
Donc on prend en considération les remarques des chefs. On va essayer de remédier voilà, aux erreurs qu'on a faites. Quoi. Vous êtes rentré entier. Alors vous l'aviez peut-être constaté les saisons passées en regardant Masterchef. Les défis en extérieur et par équipe sont effectivement éprouvants. Et pour 5 d'entre vous, les retrouvailles dans la grande cuisine vont être de courte durée puisque vous êtes 6 équipes. Mais hélas, l'une d'entre vous va nous quitter définitivement dans quelques instants. Alors, cher jury, est-ce que vous pouvez nous dire si nos cuisiniers amateurs ont répondu à vos attentes pour ce premier challenge en extérieur et par équipe ? Un petit mot très, très rapide. Hein. On a parlé tout à l'heure de Parmentier. Bon, je crois que globalement, il serait assez fier du boulot que vous avez effectué au travers de vos plats. On a eu vraiment grand plaisir à déguster ces 12 assiettes. Il y avait des surprises, vraiment, des surprises très agréables. Bon, il est temps de passer aux résultats. Alors, nous vous écoutons. Quelles sont les 5 équipes sélectionnées pour la dernière épreuve de la grande cuisine, s'il vous plaît? L'équipe jaune, vous continuez l'aventure. Ah, c'est fou, là. C'est ce que je voulais. Je voulais qu'on soit appelé le premier. C'est la récompense de tout le travail qu'on a fait en équipe, la preuve qu'on a bien fonctionné. C'est grâce à 2 assiettes de haut niveau que l'équipe jaune a convaincu le jury sans difficulté. Le traitement de la pomme de terre et le soin des assaisonnements ont su faire la différence. Moi, je trouve que c'est très goûteux. La pomme de terre, elle est goûteuse. Et ça, vous en auriez fait le triple, le quadruple, le quintuple, on le finissait. OK. La prochaine équipe a... poursuivre l'aventure, c'est l'équipe des violets. Tous les 5, on est qualifiés pour la prochaine épreuve. Et moi, en tant que chef, je suis archi fier. Les violets ont séduit le jury grâce à des plats dont le goût et le dressage sont dignes de figurer à la carte d'un grand restaurant. Prochaine équipe qui continue le concours. Et l'équipe verte. 2 assiettes de haut niveau, des pommes de terre dont la cuisson a ravi le jury. C'est sans surprise que l'équipe verte se qualifie pour l'épreuve suivante. Il reste plus que 3 équipes. Je pense que la tension doit être forte pour vous. Mais c'est la loi du jeu et nous allons continuer avec la couleur bleue. Malgré ces assaisonnements décevants, le jury a noté l'énorme travail effectué autour de la pomme de terre et a été surpris par la présentation des assiettes de l'équipe bleue, ce qui lui permet aujourd'hui d'être qualifié pour la suite du concours. Moi, j'ai senti que, en fait, les gens me remerciaient, quoi. C'est ce que j'ai ressenti, que j'ai fait mon job, en fait. C'est ce que j'ai ressenti. Ouais, je vais lâcher, hein, parce que... Ah, peut-être des choses à me prouver à moi-même, je sais pas. Il ne reste plus que 2 équipes, et malgré de belles assiettes, chacune d'entre elles a commis des fautes qui peuvent s'avérer lourdes de conséquences. Si le manque de sauce et le manque de goût de l'équipe rose ont déplu au jury, l'équipe orange, quant à elle, a proposé un plat dont le travail autour de la pomme de terre a été jugé décevant. Pour 5 d'entre eux ce soir, ce sera la fin de la compétition. Bien, voilà le genre de moment qu'on n'aime pas trop. Sachez en tout cas une chose, les roses comme les oranges, c'est que pour nous, ça a été dur de vous départager. Et c'est déjà pour nous, comme pour vous, un motif de satisfaction. Alors, c'est l'heure du verdict, à présent. Là, je passe par tous les moments. À la fois désespoir, à la fois espoir, à la fois c'est pas possible que ça s'arrête. Et puis j'oublie tout, quoi. L'équipe qui poursuit le concours avec nous. C'est l'équipe orange. C'est un truc de fou. C'est une énorme fierté. C'est se dire, ça y est, j'ai aussi réussi pour eux. On a réussi ensemble.
Je suis déçu, forcément, hein, on ne peut pas sauter de joie, mais pour autant, l'aventure continue, comme on dit. Sébastien, c'est un moment difficile, quitter la grande cuisine si près du but. C'est dur pour vous, c'est dur pour nous, parce qu'on voit devant nous, non pas une équipe, même si vous avez travaillé tout à l'heure en équipe, on voit cinq individualités, et cinq individualités plaisantes, talentueuses. La preuve, vous êtes arrivé jusque-là, quoi. Mais naturellement, la cuisine ne s'arrête pas là. La cuisine, derrière cette porte, elle continue. Tout simplement. Très, très déçu de l'élimination de notre équipe. Un sentiment d'inachevé, en fait. On n'a pas donné ce qu'on voulait faire. Je pense que notre équipe était trop ambitieuse par rapport au plat qu'on voulait présenter. C'était un risque et malheureusement, on a chuté. Bon vent! Bravo à tous. Vous étiez 100, vous n'êtes plus que 25. Nous allons vous retrouver très vite pour l'ultime et dernière épreuve de la grande cuisine qui sélectionnera les 19 meilleurs d'entre vous. Seuls les 19 accéderont à l'atelier. Alors, bonne chance à tous et à tout à l'heure. Dernière épreuve de la grande cuisine. Pour les 25 meilleurs cuisiniers amateurs de France, un seul objectif. Faire partie des 19 candidats qui intégreront l'atelier. L'avantage à Masterchef, c'est que les épreuves se succèdent, mais qu'aucune ne se ressemble. Surtout pas l'ultime épreuve de cette grande cuisine. Dans une heure, 6 d'entre vous seront éliminés et les 19 meilleurs intégreront l'atelier Masterchef. 19 tabliers vous attendent. Vous allez être soumis à un exercice périlleux. Cuisiner en même temps qu'un grand chef, en suivant sa recette, étape par étape, grâce aux écrans qui se trouvent sur vos plans de travail. Ce chef, c'est un chef 3 étoiles. Il me semble que vous le connaissez. Il s'appelle Frédéric Anton. C'est un meilleur ouvrier de France. Un chef 3 étoiles, c'est quand même un grand honneur et énormément de pression. Frédéric, 25 cuisiniers amateurs sont morts de trouille à l'idée de cuisiner en même temps que vous l'une de vos recettes. Alors, quels plats doivent-ils cuisiner? Alors, aujourd'hui, ils vont préparer un pigeon au foie gras et au chou, agrémenté d'un macaroni, d'une duxelle de champignons, d'un jus gras de pigeon et d'une petite garniture pour décorer. Je n'ai jamais mangé de pigeon. C'est vrai que ça me fait peur quand je vois qu'il y a du pigeon. En plus, je vois qu'il y a des pigeons qui sont en train de se promener dans la salle, donc c'est encore pire. C'est horrible, en fait. Il vous suffit de l'écouter et de regarder ses mains. Une toute petite précision. Lorsque Frédéric sera arrivé au moment du dressage, vous ne le verrez plus travailler. Frédéric fera donc son dressage de son côté et on vous laisse tout seul, face à vous-même, pour la toute dernière étape de cette épreuve. Seuls les 19 meilleurs d'entre vous accéderont à l'atelier dès la semaine prochaine. Alors serez-vous à la hauteur de Masterchef et surtout de Frédéric Anton? Réponse dans une heure. C'est à vous, bon courage. Top, c'est parti. Pour ces cuisiniers amateurs, le défi est immense. Ils vont devoir réaliser la recette d'un chef 3 étoiles en suivant ses gestes en temps réel sur l'écran situé devant eux. Il ne faudra surtout pas se laisser distancer, car le moindre retard, la moindre erreur, pourrait être fatale. Vous avez un pigeon sur votre poste de travail, vous le prenez. J'incise entre les suprêmes et la cuisse, et je tire la cuisse. Ça commence tout de suite sur les chapeaux de roue, on commence sur le pigeon. J'écoute attentivement le chef, je regarde ses mains, je regarde ses gestes. Et après, j'incise, une cuisse. Je me sens un peu fébrile sur le pigeon. Moi, d'habitude, quand je le fais, on le fait entier à la cocotte, quoique là, il fallait tirer le filet, tout ça. Pour avoir le filet entier, on fait glisser la pointe du couteau et la lame tout le long de l'os. Maintenant, je prends ma carcasse et je vais couper des petits morceaux pour pouvoir confectionner le jus. Il faut être en phase, quoi, avec lui. Ouais, c'est comme si tout le monde devait faire qu'un.
on sait ce qu'on doit faire, mais il y a un timing à respecter. En effet, il faut réussir à suivre le rythme de la recette de Frédéric Anton. Et même avec un très bon niveau de cuisine amateur, c'est un exercice de haut vol qui nécessite une concentration extrême. Je prends une cocotte. J'ajoute à l'intérieur de l'huile d'olive. J'ajoute ma carcasse coupée en morceaux à l'intérieur. Et là, je vais laisser à la fois caraméliser et faire des sucs. Le problème avec un chef 3 étoiles, c'est que quand il commence à envoyer, il envoie à une vitesse. Maintenant, je vais prendre deux échalotes, la carotte et le thym. Et je vais les couper en grosses rouelles. Ça, ce sera la garniture que l'on va utiliser dans votre jus de pigeon. Au taquet, au taquet. Il y a l'atelier qui est à la portée de main. Maintenant, il faut forcer, quoi. Dans l'ensemble, quand même, je le trouve très réactif, quand même. Hein. Très, très concentré, très réactif. Et on a 25 petits hantons face à nous. Ouais. Et maintenant, je vais rajouter ma garniture. D'habitude, à la maison, il y a toujours un truc qui va foirer, il y a toujours, un beurre qui brûle. Là, je n'ai pas le droit de me louper sur cette épreuve. C'est ma place pour l'atelier qui est en jeu. Il faut que je donne tout. Il n'y a pas une minute où il faut relâcher, quoi. C'est pas possible de partir la veille de l'atelier, quoi. Maintenant, je vais mouiller avec le bouillon de volaille mes carcasses. Les sucs sont dans ma cocotte, ma garniture est caramélisée. Et je mouille très court, juste à hauteur. Tous les candidats sont conscients qu'ils jouent leur place à l'atelier. Et chez certains, la pression provoque des erreurs qui pourraient s'avérer difficiles à rattraper. Sophie, ouais. Quand Frédéric lui demande de mouiller son jus de volaille avec le bouillon, elle a mouillé avec de l'huile d'olive. Ça va être gras. Maintenant, je vais confectionner la duxelle de champignons. Je vais couper des tranches très fines et après on fera une brunoise. Je prends une échalote, je l'épluche et là je cisèle mon échalote très très finement. Peler les échalotes et les ciseler, il avait déjà fini, j'avais pas fini de les peler quoi. Il avait déjà ciselé, tout était fait. Je me dis bon, là il va falloir accélérer. Je prends mes échalotes et je les dépose dans ma poêle. Il faut que les échalotes soient bien cuites pour pouvoir ajouter nos champignons. J'ajoute les champignons. Alors ça, il faut aller très vite parce que c'est là où c'est un petit peu critique et que les champignons noircissent. Ce qui est à la fois génial et terrifiant, flippant avec ce genre d'épreuve, tu vois, c'est que dès qu'il y a un petit quelque chose qui s'enclenche pas, tac, 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 c'est en cascade, quoi, tu vois. C'est terrible. La recette défile, donc j'essaie de suivre. J'essaie de faire comme lui, j'enregistre ce qu'il dit. Donc ça y est, mes champignons sont bien revenus. Non, pas encore. Commence à être cuit. Je rassaisonne de sel. Et là, je vais ajouter une cuillère de crème épaisse à l'intérieur. Crème fraîche, après, d'accord. Au milieu de la recette, j'ai 10 minutes de retard, honnêtement. Donc, il faut que je récupère ce retard. Donc, j'essaie de mémoriser ce qu'il a dit en parole. Et je dis, bon, c'est pas le moment de paniquer, il faut que t'assures. Je voudrais gagner, mais le concours est de plus en plus dur. Il faut qu'on ait quelque chose de onctueux et de bien blanc. Du vin blanc, il a dit. Bon. Martine, elle essaye de s'accrocher, mais tu sens à un moment donné dans l'épreuve qu'elle perd pied, quoi. Et qu'elle, ça y est, elle a pris du retard, elle a pris du retard, elle a pris du retard. Et elle s'en rend compte elle-même, et tu vois, j'allais dire, la panique sur son plan de travail. Et je vais rajouter une cuillère de chapelure. Alors attends, quoi ? Qui permet aussi de la garder onctueuse, ça va lui donner de la tenue. Il a foutu de la chapelure ! Oh là là ! Les feuilles de chou que vous avez, on va les mettre en cuisson. Salez bien votre eau, c'est important à la fois. Vos feuilles de chou vont rester bien vertes et ils seront assaisonnés. Ça boue pas, moi, là. Faut enlever la casserole du chou, c'est ça? C'est une épreuve éprouvante. Je vais y croire tant que c'est pas fini. Et je vais ajouter en cuisson mes macaronis. Vous prenez votre lobe de foie gras et vous allez couper une belle escalope.
Vous allez poser votre foie gras sur votre suprême de pigeon du côté intérieur. Je vérifie mes feuilles de choux et je les rafraîchis directement dans l'eau glacée. En fait, je regarde pas du tout l'écran. J'écoute et je fais. J'anticipe, je fais. Et c'est vraiment, de temps en temps, je contrôle si mes gestes sont bons. Mais c'est vraiment, je pense, une dizaine, quinzaine de regards sur toute l'épreuve pour vraiment me donner confiance en moi et continuer à avancer, quoi. Je dépose à l'extrémité mon pigeon et mon foie gras. Je recouvre avec ma feuille de chou. Je prends ma tranche de poitrine fumée. Je la dépose au centre. Je roule le pigeon dans le film en le serrant fortement. J'ouvre mon couvercle du couscoussier et je dépose le pigeon à l'intérieur. La particularité de cette épreuve, c'est la cuisson du foie gras et du pigeon en même temps. Ça se joue sur l'épaisseur, ça se joue sur le temps de cuisson, ça se joue sur le temps de repos qui fait qu'on arrive à avoir une harmonie parfaite entre le pigeon et le foie gras. Il nous a juste dit de le mettre à cuire, il nous a pas dit quand est-ce qu'il fallait l'enlever. Donc ça, il fallait en juger, enfin il faut en juger par soi-même. Donc je pense que là, ça va jouer sur les cuissons, les assaisonnements et le dressage. La recette touche bientôt à sa fin. Et dans quelques minutes, l'écran situé devant les candidats va s'éteindre. Ils devront alors réaliser eux-mêmes un dressage à la hauteur de la recette de Frédéric Anton. Bien, vous l'avez vu, l'écran derrière Frédéric est éteint. Il dresse de son côté, vous dressez du vôtre. Il vous reste très précisément un quart d'heure pour finaliser vos assiettes. Après 45 minutes d'épreuve dirigée par Frédéric Anton, les candidats se retrouvent livrés à eux-mêmes. Ceux qui ne parviendront pas à réaliser un dressage digne de figurer à la carte d'un grand restaurant prendront alors le risque de quitter définitivement la compétition. Le plus important, ça va être le dernier quart d'heure. Parce que là, ils vont être seuls face à eux-mêmes, lâchés dans la nature. Et là, on va voir les candidats qui ont gardé la lucidité, qui ont gardé encore un peu de force, un peu de concentration, un peu de précision pour arriver à faire des dressages élégants. On va mettre l'assiette ici, la chaussette. J'ai essayé de finir tout ce que j'avais en retard. Non, il y a la sauce. On était plus de 20 000 à être inscrits. Aujourd'hui, on est 25. Et là, on se bat pour être 19. J'envisage absolument pas de quitter l'aventure là. Frédéric a terminé de dresser. Et vous, pour ce qui vous concerne, il vous reste une minute tout rond. Allez. C'est le sprint final pour les candidats. Leur dernière carte à jouer s'ils veulent accéder à l'atelier. Je fais vite. Je dresse ma viande, je dresse la duxelle, je dresse le macaroni. Allez, 10 secondes. Non. 9. Je mets le jus et là, je commence à mettre mes radis. 3, 2 et 1, c'est terminé. Terminé, Laurent. Et je ne mets pas le chou de Bruxelles et le parmesan et là, c'est la grosse déception. L'épreuve est terminée. En imposant aux candidats un rythme infernal, elle donne une idée du niveau à atteindre pour espérer garder sa place dans le concours. Et ce soir, chacun le sait, le nombre de places est limité. 6 candidats vont quitter le concours Masterchef. Je suis pas content de moi, alors. Là. Putain, c'est gourmand. Quoi ? C'est gourmand, ton truc. Les jeux sont faits, semble-t-il. Dans quelques instants, nous connaîtrons le nom des 19 d'entre vous qui intégreront l'atelier dès la semaine prochaine. Mais avant cela, un petit tour par la dégustation, hein, n'est-ce pas, messieurs? Je vous rappelle que tout compte, le goût, le dressage et bien sûr le respect de la recette de Frédéric Anton. Tout compte pour décrocher ce tablier qui est le fameux sésame pour l'atelier. Alors, messieurs, bonne dégustation, mais normalement, ça ne devrait pas être mal. Julie, s'il vous plaît. Je suis assez fière de mon assiette, donc j'ai envie d'aller leur montrer. Bonjour, monsieur. Bon, Julie, un peu de stress, un peu d'émotion de suivre les mains de Frédéric et écouter ses paroles. Énormément de plaisir. Bon, j'espère que tout ce plaisir, vous l'avez retranscrit dans votre assiette. J'ai essayé, j'espère que vous le goûterez. Et Julie, quelle impression vous fait la présentation de Frédéric? C'est plutôt pas mal, hein.
Elle est juste magnifique. Il y a plein de petits détails qui sont juste incroyables. Sur le chou, sur la cuisse, qui sont juste fabuleux, quoi. Et là, qu'est-ce que vous avez fait, alors? Alors, c'est le reste de duxelles, le reste des macaronis, un petit peu de, okay. de chou de Bruxelles, des radis rouges coupés en julienne, et un petit peu de parmesan. De parmesan, dessus, au dernier moment. Voilà. En tout cas, la cuisson du foie gras et du pigeon, elle est parfaite, elle est rosée. Donc ça, le saisonnement est très bon. Oh oui, c'est remarquable. Un super jus. Oh non, sérieux, rien à dire. C'est remarquable, remarquable. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci, vraiment. Ça me fait énormément plaisir, ceux qui pensent de moi et ceux qui pensent de mon assiette. J'ai envie d'intégrer l'atelier pour apprendre. Moi, je suis une passionnée, mais une passionnée amateur. Ludovic, s'il vous plaît. J'étais pas fier de ramener mon assiette du tout. Hein. J'aurais préféré aller me cacher dans un coin que ramener l'assiette. C'est pas beau, là. Une heure de casting, là, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic? Elle est belle, l'assiette du chef. D'habitude, c'est vous qui le dressez comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Belle cuisson, les goûts sont bons, vous avez un très bon jus. Mais c'est quand même un peu décevant. Ouais. Ludovic, vous nous avez donné, dès le départ, de très mauvaises habitudes. Ouais. En nous présentant des assiettes exceptionnelles. Faut pas nous en vouloir si on est hyper exigeant maintenant non, avec non, vous. Non, mais je suis pas satisfait de mon assiette. C'est ça l'idée. Ça, c'est... Quand on a des remarques comme ça, alors on se remet en question, quoi. On se demande si on va aller plus loin. Ils savent que j'ai du potentiel. Alors, est-ce qu'ils vont en tenir compte? Est-ce que, voilà, ils ont confiance et ils savent que je vais me remettre en question? Anne-Lise, s'il vous plaît. Vous avez une belle cuisson du foie gras et du pigeon qui est parfaite. Les cuissons sont magnifiques. La viande est d'une tendreté absolue. Sébastien, s'il vous plaît. Comment ça s'est passé? Ce fut difficile. C'est le premier qui nous dit ce fut difficile. Non, mais c'est bon. En tout cas pour moi, oui. Enfin... Ah, mais attendez, mais ouais, c'est peut-être le premier qui est honnête. Très joli jus. Un jus magnifique. C'est peut-être le premier jus, toi, qui est vraiment... Magnifique. Pour quelqu'un qui nous dit avoir eu des difficultés, c'est pas si mal. Sérieux, c'est pas si mal que ça. Tamara, s'il vous plaît. Alors, comment ça s'est passé, cette épreuve? C'était... J'ai eu chaud. Tamara, où est la duxelle? Ma duxelle ne convenait pas. Et c'est vrai que quand je fais pas les choses parfaitement, j'aime pas trop les mettre. J'ai mis la duxelle en parcimonie dans les... ce que je voulais vous faire, des petits ronds de macarons remplis. Donc j'en ai mis là et puis après j'en ai mis dessous les choux de Bruxelles pour les faire tenir. Ah ouais, oh là, oui, oh là, regarde, il y a... Ça, oui. C'est une très très bonne idée. Non, oui, je reconnais que... Oui, chef. J'aurais dû la mettre en entier et voilà, pas avoir peur, même si elle ne me convenait pas à moi, parce que ça peut peut-être me coûter ma place à l'atelier. J'ai perdu du temps parce que je voulais garnir les petits macarons. Excusez-moi, je viens de manger 95% de la duxelle. Désolé, pardon. Les gars. Pourquoi t'as tout mangé? J'ai tout... On va même pas pour la goûter. Non. J'aimerais aller à l'atelier et je sais qu'il est possible que je n'y aille pas. Il y a 6 personnes qui vont partir aujourd'hui. J'espère ne pas en faire partie et continuer et pour pouvoir encore plus en montrer. Pierre, s'il vous plaît. Le seul point négatif et que je regrette, c'est le dressage où j'ai manqué de temps. Je me suis peut-être un peu mal organisé, j'ai pas pu dresser mes choux de Bruxelles. Et c'est bête, parce que tout était prêt, en fait. Non, mais il y a une belle cuisson du foie gras, belle cuisson du pigeon, rosé. C'est de la cuisine de très haut niveau, donc ça se joue à des petites choses. Merci, Pierre. Merci, messieurs. Je veux vraiment rentrer à l'atelier pour continuer à travailler, progresser, montrer de quoi je suis capable avec du travail et aller le plus loin possible. Martine, s'il vous plaît. Merci, merci Martine. Ouh, wow. J'avais mis la quantité, moi, par rapport à l'assiette du chef. Pour une personne affamée, là, au moins, il est content. Mais pour une personne dans un grand restaurant, ça manque de délicatesse. C'est quand même assez grossier, hein? Oui. Ça, on est d'accord. Ça,
Grosse quantité de duxelles de champignons. Compact. Il en restera 19. 19. J'aimerais faire partie du lot. Je sais pas, je suis dans le doute. Je verrai. Cédric, s'il vous plaît. Pas mal, hein, monsieur le graphiste. Pascal. Vous êtes le seul à l'avoir dressé comme ça, Pascal. C'est assez marrant. Ça me plaît. Très agréable comme assiette. Bien foutu. Vous avez le devoir de la manger, Pascal. Non, Pascal, c'est bon. Merci. Laurent, s'il vous plaît. Comment ça s'est passé, Laurent? J'ai eu un peu de mal avec la bête au début, quoi. La bête? Qu'est-ce que tu as fait, la bête? Elle était vivante encore ou quoi? Rome, oh, spécialiste de la mer. Faut que vous deveniez spécialiste de la terre. Ça mettrait les boules de sortir, quoi. Mais bon, après, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Et si je me suis mis lancé dans le concours et tout, c'est pour aller jusqu'au bout, quoi. C'est pas pour lâcher en plein milieu et finir l'aventure là. Véronique, s'il vous plaît. Bon, comment s'est passée cette épreuve? Plein d'émotions, du stress, de la joie. Ça m'a vraiment confortée dans mon envie de continuer dans la cuisine. Bon, la cuisine, c'est une passion. Hein. Depuis toujours, depuis toute petite, ça fait partie de moi. Et ça me conforte dans l'envie d'en faire ma vie. Et le sel, le poivre, c'est vraiment léger. Ça manque de sel? Ah, ça manque de sel. Ça manque vraiment de sel. J'ai pas assez salé mon foie gras, donc voilà. Est-ce que ça peut gâcher totalement le plat? Je ne sais pas. Merci. Merci. Merci, Véronique. Sophie, s'il vous plaît. Donc, pas un peu de jus, non? Non, un petit peu. Est-ce que vous êtes rendu compte de ce que vous avez fait durant l'épreuve? Vous avez versé 20 centilitres d'huile d'olive. Aïe. Heureusement que j'ai pas mis le jus, parce que mon jus était raté. Bon, on va déguster quand même. La duxelle est bien exécutée. Ouais. La cuisson, très peu de foie gras par rapport aux pigeons. J'ai envie de me battre, j'ai envie de me déchaîner pour leur montrer que c'est possible, que je peux encore faire mieux. Merci Sophie. Merci Sophie. J'ai envie de faire partie des 19 personnes. Pour moi, ça représente beaucoup. Bien, dans quelques minutes, nous vous dirons qui sont les 19 d'entre vous qui auront le plaisir et l'honneur d'intégrer l'atelier Masterchef cette année. On va se retirer pour délibérer. Bravo à tous et merci. Et à tout de suite. Je vous rappelle qu'un téléspectateur de Masterchef remportera ce soir un chèque de 10 000 euros et ce sera peut-être vous. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quelle est la volaille cuisinée par Frédéric Anton pour la dernière épreuve? 1. Le pigeon. 2. La pintade. Envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 7-14-14 ou vous appelez le 36-80. Vous ne disposez que de 5 minutes pour répondre à cette question. Bonne chance! C'est le moment pour le jury d'annoncer aux candidats le nom des 19 qui auront le privilège d'accéder à l'atelier Masterchef. Une occasion unique de vivre une expérience extraordinaire, faite de compétition, d'apprentissage et de dépassement de soi. Une chance pour ces amateurs qui rêvent tous de devenir professionnels. Chers candidats, regardez un peu le chemin parcouru. Vous étiez plus de 20 000 à vous présenter aux sélections, 100 à intégrer la grande cuisine. Ce soir, vous n'êtes plus que 25 et dans quelques minutes, vous ne serez plus que 19 à intégrer l'atelier Masterchef. Cher jury, vous avez goûté, vous avez délibéré, vous avez tranché. Alors est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner le nom des 19 meilleurs cuisiniers amateurs qui vont continuer l'aventure Masterchef et rejoindre l'atelier dès la semaine prochaine? Les amis, le voilà, ce tablier qui symbolise votre entrée dans l'atelier. Il y a mon cœur qui bat. J'ai l'impression qu'il va se décrocher de ma poitrine tellement il bat fort. C'est ma place pour l'atelier qui est en jeu. Ce premier tablier
Il est pour Julie. C'est trop cool. Je suis hyper heureuse. C'est juste le début d'une grande aventure. Merci Julie. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je peux vous embrasser. Si ça vous dit. J'ai l'impression de prendre enfin le bon chemin et de prendre la bonne voie et une voie où je suis brillante. Le deuxième candidat qui va intégrer l'atelier, c'est Thomas. Voilà, maintenant, deuxième but, aller le plus loin possible à l'atelier, et puis pourquoi pas gagner, quoi. Yes ! Le candidat qui nous rejoint à l'atelier est Simon. Yes ! Christelle. Tamara. Merci. Laurent. Ce tablier, il est pour Annelise. Je vous en prie. L'attente est longue, le jury donne les noms l'un derrière l'autre. Allez, vite, Sébastien. Je perds espoir, je n'y crois plus. Zora, s'il vous plaît. Je lui dis, bon, bah écoute, tant pis, la place au meilleur. Le candidat suivant... c'est Martine. J'ai un moment d'arrêt sur image, là. C'est pas possible. Martine, on t'appelle. C'est pas vrai. Je suis dans les 19 meilleurs, je peux employer le mot, j'ose pas, mais j'emploie. Je reviens pas. Alors, il faut que ça continue. Je ne dois pas partir tout de suite, il faut que je continue à me battre. Messieurs, déjà 10 candidats de sélectionnés. Il reste encore 9 places. Donc nous vous écoutons. Ça me ferait plaisir que Pascal nous rejoigne. Le 12e, c'est Jérémy. Je demandais à Sabine de venir nous rejoindre. Allez-y. Bienvenue à l'atelier, Sabine. Les portes de l'atelier s'ouvrent pour Asna. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Et le prochain, il est pour Ludovic. C'est le bonheur. Hein. C'est le bonheur. Je croyais pas passer. Hein. Venez, Cédric. Joël. Les deux dernières places pour l'atelier, messieurs, mettez fin au suspense, s'il vous plaît. Alors, l'avant-dernier candidat à intégrer l'atelier... c'est Pierre. Yeah. Merci. Bienvenue. Félicitations. Merci beaucoup. Sébastien, s'il vous plaît, dites-nous qui est la dernière personne à intégrer l'atelier la semaine prochaine. Si je pars, je serai triste, déçue de ne pas pouvoir continuer le concours parce que c'est quelque chose pour moi qui m'apporte beaucoup. Je joue le futur avec l'attente de ses résultats. Je joue mon futur. Alors, ce dernier tablier, il va permettre... ouvrez les yeux, Olivier, d'entrer dans l'atelier. Ouais. Extraordinaire. Ouais. J'aurais jamais cru arriver jusque-là, donc... Félicitations. C'est génial. Allez, enfilez-le. Monta ! Vous six, je voudrais encore vous féliciter pour votre parcours. Continuez à être passionnés, continuez à aimer la cuisine. Maintenant, je vous invite à quitter
la grande cuisine. Je suis forcément déçue. Si j'ai participé à cette aventure, c'est pour aller jusqu'au bout. J'ai fait des très belles rencontres. C'était une belle aventure humaine. Cher candidat, si à un moment, vous avez pu penser que la grande cuisine était éprouvante, vous n'avez encore rien vu, car l'atelier va vous offrir de grandes joies, mais vous demandez aussi beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Alors d'ici là, profitez-en. Bravo à tous et je vous laisse fêter ça. C'est clair. Pas de soucis. C'est déjà votre dernière chance de remporter le chèque de 10 000 euros mis en jeu ce soir. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Combien de candidats vont intégrer l'atelier Masterchef dès la semaine prochaine ? 1, 19 candidats. 2, 20 candidats. Envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 7-14-14 ou vous appelez le 36-80. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour jouer et vous retrouverez le nom du gagnant dans quelques instants dans Masterchef se met à table. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Masterchef se met à table. Que sont devenus Elisabeth, Xavier et Nathalie, les candidats de l'année dernière? Qui sont nos 19 meilleurs cuisiniers amateurs nouvellement sélectionnés et à intégrer l'atelier? Leur portrait en exclusivité, c'est tout de suite. Merci, bonsoir.